Bien et bonsoir, futur champion saison 14, comment ça va? Dommage que tu roules pas là. Il roule ou pas, Endeavor? Non. Ah. Il a trop peur de la F2. Ça a déjà parlé un peu du partenariat avec un PS plus 13 car examen de 4 demain et toi. Ah! Ah, ok, ouais. Ah, bah. Après, ce que je vais te dire, ça va te mettre plus la pression qu'autre chose. Genre en mode, ouais, le code c'est facile et tout. Mais du coup, t'as pas encore moins envie de rater. Un examen des codes En demain, vrai. mais le code c'est de l'eau, c'est trop facile. Quel bâtard. Bah, mais après, toi, t'es jamais à l'abri de faire une erreur, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ça, tout le monde dit ça, c'est Ouais, non, mais en vrai, le code c'est. En fait, moi je sais que quand je l'ai passé, j'ai trouvé ça beaucoup plus easy que les tests que t'as à l'auto-école pour t'entraîner. En vrai. Parce que Ouais, bah vraiment. oui. Je l'ai pas... En plus, moi, je l'ai passé à l'époque, tu sais, où il y a eu la réforme, où tu pouvais le passer dans des, on va dire, en solo, dans des petites salles, dans des endroits qui sont Ah ouais? faits pour ça. Ouais, en gros, je me suis inscrit avec mon auto-école. Ils m'ont inscrit pour passer le code. Et enfin, c'est moi qui me suis inscrit pour le passer. Et puis, ça me donnait plusieurs endroits où je pouvais le passer, tu vois. Et avec cette réforme qui était en vigueur à ce moment-là, je crois d'ailleurs elle y est toujours, il y avait des endroits comme moi là où je l'ai passé, c'était une poste, tu vois, c'était dans un bureau de poste. Et en gros, j'arrivais là-bas et je leur disais, ouais, c'est pour le permis, enfin pour le permis, le code, pardon. Et du coup, ils me mettaient dans une salle, tranquille, tout seul, avec la tablette devant, et puis pouf, 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 passer le code, et puis salut, au revoir, merci, et puis quelques jours plus tard, vous avez le code. Ah, super, nice, on va pouvoir passer à la conduite. Nice. Mais tu as passé quand toi? Moi, je l'ai passé. Alors, attends, c'était. Il y a 2 ans et demi, je crois, un truc comme ça, 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, ok, parce que moi j'avais ça, enfin moi quand je l'ai fait du coup ça devait pas exister encore. Parce que Non, je moi pense pas. Parce que moi, c'était ça, en encore fait, l'époque ça, c'était du... entré en vigueur la réforme au moment où moi j'allais le passer. C'était Ouais, bah quelques c'est jours avant ça. que je le passe. Ok, bah c'est ça. Parce que moi j'avais ça, en gros moi c'était toujours en mode faut que tout le monde aille au même endroit et tout, nan nan. Mais vu que t'as forcément tellement de gens qui veulent faire ça, ils arrivent pas à te faire passer avant je sais pas combien de temps, et puis il va être sûr que tu vas réussir, sinon c'est une perte de je sais pas quoi, Ah nan ouais, ça c'est relou. Mais c'est pour ça aussi, tu sais qu'ils ont. Parce qu'avant, ce qui était relou, ouais, c'est que tu devais avoir, entre guillemets, salle comble, on va dire. Il fallait qu'ils arrivent à avoir suffisamment de personnes pour faire un truc groupé et tout. nan. Là, Ouais. maintenant, tu peux le passer en solo dans des petits endroits qui sont faits pour, comme des bureaux de poste ou autres qui ont accepté. En fait, c'est un peu, tu vois, comme les points relais. Alors, c'est un peu ça, mais pour le code. C'est en gros les mecs ils disent ouais, on veut bien accueillir les gens chez nous pour faire le Ok. code. Et du coup t'y vas, ils ont tous les équipements. Les équipements c'est directement par ceux qui font le code, tu vois, c'est Ouais. une tablette officielle avec les trucs officiels dessus et tout, quoi. Ah, ok. Ah, bah c'est pas mal. C'est une bonne solution. En fait, je fais ma. JB encore un match, Oui, il rejoindra en cours. Allez, que l'on lance. Ouais, roulette russe, bah c'est sûr que ça dépend entre toutes les séries. Les séries, il y en a de plus dures que d'autres, c'est sûr. Après, ouais. Du moment que tu donnes le meilleur de toi et si t'as bien révisé, normalement tu l'as. Après, faut pas stresser aussi. Si tu commences à stresser au code, c'est chaud. En mode putain, j'ai eu faux et tout. Et après, boum, question suivante, t'as pas le temps. T'as pas le temps de te retourner. Du coup, tu disais à 15 ans l'heure, c'est ça? Ouais, c'est relou, j'en ai Et en vrai, marre. on est 12, du coup, ça fait 4 en moins. Ah, écoute, j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment. Ouais. Non, Voilà. mais là ils sont en train de parler comme quoi ils voudraient que le parc soit ouvert parce que par Ah exemple bon? il y a JB qui a pas fait sa mise à jour, du coup il est en train de la faire là, donc il pourra rejoindre que pendant les qualifs et du coup il pourra pas mettre son setup. Oui, mais en même temps. Mise à jour, fallait la faire avant aussi.
Mon internet vient de planter, on peut attendre 2 minutes. Ouais. Bon. Attends. Avec Nadi commence à s'impatienter là. C'est Filmovi qui a mis. Ouais, il y a un problème d'internet, Filmovi. Bah, il est revenu déjà. Ah, bah, c'est bon alors. Enfin, moi je le vois dans la session. Hein. Ah, il a dit c'est bon. Okay. Bah, pour JB, désolé. Bah, en fait, ouais, moi ce qui m'emmerde à ouvrir le parc fermé, c'est bah, que ouais. Les mecs ils vont mettre des réglages différents pour la qualif et pour la course quoi. Bah, ouais. Ah, Beno il va perdre son aileron. Alors, a priori, il y a beaucoup de chance. Surtout qu'on est à Monaco. Après, si tu paries sur le fait qu'il perd pas d'aileron, tu peux peut-être te faire beaucoup d'argent, franchement. Y a peut-être moyen. Même si je pense qu'il va casser. Mais c'est le meilleur, Beno, il va faire podium ce soir. Ouais non moi je suis pas pour ouvrir le parc. Après on... ah putain c'est Monaco en vrai c'est vrai que c'est chiant ça. Parce qu'en vrai avec un setup de base sur Monaco je pense que t'es foutu hein. Tu peux rien faire. Ouais surtout avec la F2 en vrai. Bah ouais. En vrai c'est qu'un open hein, quand tu penses. Limite je sais pas. Ouais mais bon. Moi le seul truc qui m'embête là-dedans c'est que voilà quoi, genre quasiment une bonne partie de la journée sur le Discord tout le monde parlait de la mage. Quand tu sais qu'il y a une mage, bah t'essaies si possible d'être là assez tôt pour pouvoir la faire, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ah, 1 minute il a dit. Salut Gab. Gab le new. Ouais. Il est bien new. Bonjour, bienvenue. Ouais, bienvenue à tous. La course devrait bientôt commencer. Bah, les qualifications qui vont durer une demi-heure où les gens vont rester dans les stands. Une merci du 20. Follow Gab. Ah bah ça va, 1 minute 20 c'est bon. 1 minute 20, c'est pas 14 minutes LDA. Enfin, je dis on attend, mais on attend ou pas? En vrai, 1 minute, ça... J'en sais rien, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'attendre, donc on vas-y, va attendre. Ah! Ça jongle entre 200 KO et 2 MO. Mm-hmm. Tiens. On va prier Dieu d'Internet, hein. Vous supportez qui comme écurie dans la réalité? Terrain glissant. Moi, un peu Ferrari quand même. Et un peu Renault. Mais sinon, j'ai pas genre une écurie vraiment pour laquelle je suis vraiment à fond derrière. C'est plus les pilotes que j'apprécie. Ouais, en vrai, ouais, c'est ça en fait. Il ouais, y a pas vraiment d'écurie. Enfin, à part Renault. Ouais, ouais parce que Cocorico, tu vois. Oui, voilà, Cocorico, j'aimerais bien revoir Renault. Ouais, comme il y a des années en arrière, quoi, on va dire. Mais après, ouais, sinon, genre, je supporte pas. Il y a des équipes que j'aime pas, ça c'est sûr, ouais. Mais après, j'en supporte pas forcément. À part Renault, j'en supporte pas vraiment. Moi, ce qui me saoule trop, c'est qu'avant, je kiffais trop Force India. Et juste. C'est vrai que j'ai bien aimé un moment. De transfert et tout. Ouais, ça m'a saoulé. En fait, dès qu'il y a Papa Stroll qui est venu mettre sa main là-dedans, ouais. Ça m'a gavé. J'ai fait après, bon, toi, c'est toujours les mêmes gens en vrai à l'intérieur. Donc ça se fait pas bourreux de. Ouais, non, mais je comprends. Mais en fait, ça m'a dégoûté le fait qu'il y ait le petit Stroll qui ait encore fait son trou grâce à l'argent de son papa, quoi, tu vois. Du coup, ça m'a saoulé. Et limite, elle existe même pas, Racing Point, pour moi maintenant. Genre, c'est. Mais trop ça, mais je trouve. Mais tellement. C'est, en vrai, j'y fais même plus gaffe, tu sais. Genre, je m'en fous complètement. Et après, sinon, il y a qui. Bah, moi, il y a Ferrari que je peux pas supporter. Et ça m'insupporte leur façon de diriger. Ah ouais, leur façon de diriger leur écurie, ça m'insupporte de ouf. Et ça, depuis des années, je trouve c'est. Je trouve ils sont, je sais pas, c'est vraiment des gens qui sont pas honnêtes en soi Ferrari, hein, mais vraiment pas quoi. Et Tu sais,
était permis pour gagner. Ah oui, c'est sûr, non, mais je dis pas. Mais après, moi, c'est juste que j'aime pas forcément ça. Et ce côté-là où ils ont toujours privilégié un pilote plus que l'autre, tu sais, en le mettant comme un petit prince, un peu comme ce que fait Red Bull avec Verstappen, moi je supporte pas. Après, Red Bull, c'est aussi une écurie que je peux pas supporter parce que Helmut Marko, il me sort par les trous de nez. Tu vois, genre, c'est vraiment le gars que j'aime pas du tout. Et puis j'aime pas le fait que Verstappen ça soit le petit roi. En fait, globalement, j'aime pas trop qu'un pilote fasse sa loi dans une écurie, tu vois. Pour moi, il est censé faire sa course, aider à développer, enfin faire son taf quoi, en aidant à développer la voiture, en faisant des trucs. Mais il faut arrêter de se sentir tout permis parce que t'as l'immunité d'être le petit prince quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve de ouf. C'est pour ça que généralement je préfère les petites écuries parce que t'as moins ce côté-là dans les petites écuries à part l'autre trou de balle de Magnussen. Bah, Hamilton, moi je le supporte pas forcément. J'aime bien parce que je trouve que c'est un bon pilote. Enfin, c'est un très bon pilote même. Après, bon, à l'époque de McLaren, je trouve que c'était un petit con quand il est arrivé. C'était vraiment un jeune qui était assez. Il était rapide quand même. Ah non, mais il était rapide, mais c'était son comportement. Je veux dire que j'aimais pas. Ouais. Il avait un comportement un peu différent. Maintenant, je trouve qu'il a gagné en maturité. Juste ça va lancer très bientôt, Félix. Ah bah. Ouais, enfin normalement c'est 21h15 mais finalement ça va être... Oh, ça lance. C'est normal ça? Je pense. Ah, JB est là. Ouais. Nickel. Bah, c'est parti. Ouais, et du coup, Hamilton, en vrai, je suis d'accord. C'est vrai que, bah, après tu vois, il était jeune. À mon avis, au début, tu sais, il devait déjà être trop content d'être chez McLaren. Il a commencé à voir qu'il tapait, enfin pas forcément taper, mais tu vois, il était bien face à Alonso. À partir de là, tu peux partir en couille. Ouais. Après, le truc, c'est que justement, c'est ça aussi que je me demande. C'est est-ce que c'est pas le fait qu'il y avait lui et Alonso, ça a aussi joué sur le côté où Hamilton était un peu insupportable, tu vois. Alors, parce que je me dis peut-être que, vu que ça chauffait pas mal entre les deux, c'est peut-être ça aussi qui avait donné à Hamilton un peu relou, tu vois. Mais, ouais, de ouf. Mais bon, après. Ah putain, mais non, mais je peux pas. Il y a quelqu'un qui me demande. Oui, c'est Slurp qui me demande de l'inviter, mais. Oh, mais c'était moi triste. À 30 secondes trop tard. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Et donc, nous allons assister aux qualifications. Et en fait, il faut savoir que il y a deux trains de pneus pour les qualifications en F2. Et il y a un train de médium, un train de soft. Le train de médium, au début, ce que les pilotes faisaient, c'était de faire des tours en médium, comme ça on pouvait se chauffer pendant 30 minutes, et ensuite faire notre tour en soft. Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte, parce qu'on est un peu con quand même, faut pas se mentir, on s'est rendu compte que ces pneus médiums-là, ils étaient utilisés pour la course 2. Terrible. Donc, ouais, mais ça, c'est pas. En fait, c'est pas dérangeant. Il y en a plein qui pensent que c'est dérangeant, mais c'est pas si dérangeant que ça, parce que tu fais quelques tours avec les médiums, ils s'usent pas plus que ça. Et en course 2, ça te laisse, tu gardes quand même assez de capital pneu pour faire la course en entier. En vrai, moi, quand on avait fait en Azerbaïdjan, là, j'avais fait pas mal de tours en qualif avec les médiums. Et s'il n'y avait pas eu le gros accrochage qui m'a fait perdre mon aileron et tout ça, j'aurais pu aller jusqu'au bout avec les médiums sans faire d'arrêt. Hein. Ça aurait été large possible. Ouais. Alors, qui est sorti là? Ah, il y a Elsa, c'est Film Movie qui sort. Ah si, bah ça sort finalement. Oui, bah oui, ça va sortir. Hein. Il va faire quelques tours. Ah oui, ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est vrai que tu peux faire quand même quelques tours. Oh putain, il sort direct en soft, hein, JB. JB, ouais, il est sorti direct. Oula. Par contre, c'est moi ou il a des gros rollbacks, JB? Ouais, ben, je crois que c'est pas toi. Hein. C'est JB. Je vois, parce que là, mec, j'étais en train de me dire, c'est pas possible. Avec la fibre et en plus que j'ai mis j'ai cru qu'il avait foncé dans. Oh là, attends, y a des pilotes, y a Sperco et c'était qui? La fibre, et puis en plus maintenant je l'ai installé sur le SSD, le jeu. S'il y a un seul freeze, s'il y a un seul truc, ça ressemble à ouf. Ah
par contre, je connais tellement pas les noms des écuries, c'est terrible. Alors, c'est très simple. Pas du tout. Attends, si, mais attends. Bah, de toute façon, tu les as dans le mode spectateur. Oui, tu les as, oui, hein, je viens de voir. Mais de toute façon, attends, là, il y a quoi qui est sorti? Il y a les Arden de Snoofy et JB. Il y a les Art de Film Movie et Alsace. Benol et Frostil, c'est quoi qu'ils ont déjà? C'est Attends. Préma, je crois. C'est Préma, ouais. Peut-être qu'ils sont pas là. Préma. Je crois qu'ils ont Préma aussi. Ah, si, ouais. T'as la Dams pour Infinity et Toms. Sparko, lui, il a la Motorsport, je crois. DK, je sais pas parce que je l'ai pas vu sortir encore. Sweeney et Hera, ils ont la Carline. Et TM7 et Ragnight, c'est quoi déjà qu'ils ont pris? J'ai oublié. Ils ont pris Charouz. Ils ont pris Charouz. Charouz, ah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient pris Charouz. Alors, qui c'est qui était parti en premier? C'était JB, je crois, qui était parti en premier. Ouais. Et t'as Elsas qui est déjà derrière lui. Oh là, JB qui est parti large. Ah, il va gêner Elsas dans son tour du coup. Il est déjà en tour là. Ah ouais. Ouais, Elsas du coup qui va laisser passer Film Movie. Pas Film Movie du tout, c'est qui est. Ah non, Elsas du coup c'est qui était devant? Putain, elle se ressemble trop, mec. Ah non, ouais. Ça devait être M7 ou Ragnite qui était devant. Je crois que c'est Ragnite. Ouais, moi j'ai cru que c'était une Préma en fait. Qui a rejoint, on va voir le temps de Elsas qui va finir son tour ici. Ça va faire. Oula, ça va être. Ça va être assez loin comme temps. Une 23, une 24, ouais, c'est pas terrible pour l'instant. Sachant que je pense que le 1-20 est faisable ici quand même. Même largement faisable, sachant qu'en CLM, c'était dans les 1-19-300, un truc comme ça, donc c'est. Enfin, en tout cas, moi j'avais fait 1-19-300, donc je pense que ouais, le. Ah oui. 1-20-1-21, ça doit passer assez simplement, normalement. Alors que Sweeney commence son tour, ainsi que Hera qui est juste derrière lui, TM7 qui lui a commencé son tour, mais est déjà en train de laisser passer les voitures. Il faudrait lui trouver un surnom à TM7. Oh, Sweeney, attends qu'il va être gêné dans son tour par les. Par Sparko qui est devant lui, aïe aïe aïe. Ah mais il y a vraiment des rollbacks là, c'est quoi ce truc? Ah par contre ça a gêné. Ah mais ils sont à l'arrêt Sparko. Ah mais il s'est passé je pense. Ouais il s'est passé. C'était quand même assez cocasse hein. Celui qui arrive dans la chicane. Oh il y a eu un aéron pété dans le tunnel. Je sais pas qui mais il y a eu un grand aéron. Alors la chicane ici là, la chicane du port, en vrai en F2. On va dire que c'est moins embêtant qu'en F1, parce que tu sais, en F1 avec la largeur qui est pas pareille à l'arrière qu'à l'avant, tu sais, avec les roues qui sont un peu plus larges entre guillemets, bah t'as tendance à, si tu veux trop prendre serré, t'as tendance à accrocher avec la roue arrière, tu sais, sur le. Là avec la F2 c'est un peu moins, mais ça peut arriver que ça se passe quoi. Si tu lèches un peu trop, on va dire, ça peut te faire accrocher. Celui qui a fait une 22-223, je pense qu'il a été quand même largement gêné par les voitures. Oula, il est en train de bouffer le rail. Et Rally qui a fait une 21-430, du coup, ouais, les 20 vont être facilement touchables, voire les 4-19-900, un truc comme ça. Alors, ouais, c'est vrai que mea culpa, en fait, c'est des softs et super softs à Monaco, donc c'est vrai que. Ouais, ça c'est les. En gros, ouais, c'est. Mais ça c'est les médiums en vrai. Ouais, c'est ça en vrai. Ah oui, je dis soft. Pardon, je soft. Alors, TM7, je comprends pas trop le principe là. Parce qu'il a fait un tour où il était totalement lent, finalement. Et là, au lieu de rentrer au stand, il se relance sur un autre tour où il est excessivement lent. Ouais, peut-être un petit tour de prépa. Ouais, sûrement qu'il essaie de prendre ses repères, mais bon. A priori, il a tryhard, hein. J'ai entendu que TM7 a tryhard. Il a tryhard? A priori, il a tryhard. Et bah. J'ai une source sûre. Loin de moi l'idée de le trash talk, mais.
si la ouais, tryhard, sa saison s'annonce pas super. Hein. Il y a eu un souci là. Parce que les temps qu'il a fait, en tout cas en CLM, c'était pas non plus mirovolant. Ah ouais? Ouais, il était en 1.20.070, je crois, comme ça. Ah, oh, c'est pas pété. Oui, mais c'est pas non plus dingue. Parce que si on part du principe que le 1.20.070, c'était un tour sur lequel il a fait le moins d'erreurs, ça veut dire que les autres tours où il a fait pas mal d'erreurs, bah, il était un peu plus loin que les 1.20.070. Il devait être peut-être en 1.20.700, voire 1.21, tu vois. Alors que Racknet vient de faire un 1.22.352 et que j'avais pas vu aussi Tom, ça fait un 1.21.793, ce qui le place deuxième pour l'instant juste derrière Hera. Il y a qui a encore Finn Movie aussi qui a fait un 1.23.315, je pense qu'il a dû se rater ou il a dû être gêné. Chose qui en vrai est quand même assez embêtant à Monaco, bah, c'est le trafic, faut vraiment arriver à sortir au bon moment pour pas se retrouver dans le trafic parce que bah. Trafic à je Monaco. Je crois que t'aimes ça de faire un tour, si jamais. Il fait un tour. Alors allons suivre ça. Ah oui, il a l'air d'accélérer un petit peu, hein, 8 secondes d'avance sur le premier secteur. Je pense qu'il y avait du soirée. C'est possible, on va faire un tour en caméra embarquée pour voir un peu ça. Est-ce que t'aimes ça toi? Oh, ça passe oh. L'arme ici. Oh, il y a quelqu'un qui a voulu donner l'aspiration ou quoi? Ah, je sais pas. C'était un peu raté, hein, si c'était comme ça. Attention, la chicane. Ah, c'est raté. Il a eu beaucoup de temps. C'est pas mal. Gaffe aussi à la accélération sur la chicane parce qu'on peut pas mal patiner. Oh là. C'est un peu large. Ça est jeune. Ouais, bon. Il a beaucoup ralenti. Là, je suis allé, je rentre au standard. Et Film Movie, il est 21-604. Hein. Il se retrouve deuxième pour le moment. Film Movie, il est rapide. Ouais, il est. On va dire qu'il a une bonne vitesse et en plus de ça il est assez constant. Donc c'est ça qui prime sur ce truc en général. 1.22.72, c'est pas mauvais, mais c'est pas dingue non plus. Ouais. Après de toute façon il s'est un peu foiré. Il y a moins qu'il fasse mieux. Ouais. Donc Elsas lui, ouf, Elsas qui a fait un petit travers. Ça a dû lui coûter quand même quelques petites secondes. Je crois qu'il y a Sparko qui est en super soft et qui est en piste. Effectivement. Donc peut-être une vraie tentative. Là ouais, il va lancer. Ouh là là. Qu'est-ce que... Quoi? 1.20.733 pour Hera. Oui, ça va très facilement, je pense, passer les 1.19 pour les 1. Et Sparko, ouais, qui s'élance. Et Snoofy qui va pas tarder à rejoindre, je pense. Alors que Frosty et Benol, eux, pour l'instant, sont les deux qui sont restés au stand et qui sont pas sortis une seule fois. Ils vont attendre la stratégie de garder les pneus neufs, je pense. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, ils vont pas avoir beaucoup de tentatives en super et ils vont pas pouvoir aller à fond parce qu'ils auront pas pris les marques sur le circuit encore. Peut-être qu'ils se disent que tu vois, genre quand il reste 10 minutes ou un peu moins, ils vont faire 1-2 tours max en soft et ensuite ils rentrent, ils mettent le super et. Ouais, je pense qu'ils vont faire ça. Donc Sparko va arriver dans le tunnel. Donc Snoofy qui se lance aussi. Super ça. La chicane du port pour Sparko. Attention. Ça a bien chevauché le boudin quand même. J'ai l'impression qu'il est très prudent quand même sur les réaccélérations. Ouais, ouf. Là ça a pas suffisamment tourné. Il a perdu un bon morceau d'aileron et ça a dû lui faire perdre quand même pas mal de temps. C'est dommage. Monaco en F2 en vrai, c'est dur. Ouais, c'est pas facile. En vrai, j'aurais bien aimé la faire, je suis très stylé. Mais en vrai, c'est cool aussi de commenter. Ouais. C'est la première fois que je le fais. Et en 1.25.104, ça lui a fait perdre beaucoup de temps, tout ça. Ah, c'est... Et là, ça tourne pas du coup aussi. Snoofy, qu'on va voir avant tout ce qui tourne aussi. Ouh, aïe, aïe, ça bloque. Ça a peut-être coupé ici, je sais pas. Non, c'est assez permissif ici, ça.
Enfin, normalement. Je peux pas du tout la taille circuit là. Sur un CLM, tu peux pas. Tu peux la couper quand même. Il y a une seconde avant. Surtout qu'il y a une 20. Ouais, ça peut être. On voit qu'il y a des pilotes là, Snoofy qui pour l'instant n'est pas encore très très en confiance parce qu'il n'ose pas trop se rapprocher des rails pour bénéficier à fond de toute la largeur de la piste. Là. 23-884 en super, ça risque d'être. Ah, mais il bloque vraiment fort à chaque fois. Sens. Après, c'est peut-être aussi la caméra. Ah, oui, c'est vrai. Ça arrive. Ah, ouais, le premier virage, c'est très simple de bloquer. Parce qu'en fait, tu sais, t'as l'espèce de petite bosse. Enfin, t'as un petit saut que si tu freines trop quand t'arrives dessus, bah, ça va bloquer instantanément là. Alors c'est vrai que j'avais oublié que dans le spec. 1.22.299, Sweeney pour l'instant qui ne veut pas ressortir. Sûrement qu'il a été vacciné de ses problèmes de trafic. Ah oui. Un petit peu de patinage. Aïe, aïe, je pense que les pneus commencent à mourir. Enfin, pas mourir parce que c'est Monaco. Et Tesla qui a amélioré aussi. C'est vraiment chiant quand même, le Codemaster. Oh. Je sais pas si j'ai le temps. Et Elsa, ce qui prend 5 places de pénalité pour une collision avec Infinity, apparemment. Alors que Ragnac va terminer son tour en améliorant de quelques dixièmes, de 3 dixièmes. Et du coup, t'as vu si Infinity est devant Elsa, effectivement. Ah, je vois rien. Ah, Infinity a perdu. Pas mal de son aileron, il y a plus grand chose sur l'aileron et Elsa aussi sur le côté droit, il a quasiment tout perdu. Il a perdu les deux côtés verticaux et pas mal d'ailettes. Peut-être une mésentente au moment qu'il s'est passé, oui, je sais pas. Possible. En tout cas, ça fait mal pour Mister Razor parce qu'il a 5 places sur Monaco. Ouais, bah, comme il dit dans le chat, aïe. Ah, oui, aïe. Effectivement. Ça va faire mal. Oh. Film movie qui serait super soft. Ah non, il y a un peu. Ah, effectivement, j'ai pas pensé à mettre les gommes utilisées pour le meilleur temps comme ça. On peut voir un peu en quoi ils ont fait. Eric a quand même calé une seconde. Ouais, il a fait un très bon temps avec les softs. Après, je n'ai pas tenté en qualif comme ça. Je sais pas du tout la différence qu'il y a entre les softs et les super softs. Ah ouais, tiens, attends, F2, il parle de soft et de super soft. Ah ouais, non mais là, c'est soft et super soft, il n'y a pas de médium. Il me semblait qu'en F2, c'était aussi les médiums. Ah non, peut-être moi. Ah, peut-être ils ont moi qui sais. Et Mister Azaz, qui dit qu'on peut dire désolé, après, finalement, c'est plus toi qui prends cher père. On va dire que t'as payé ta... T'as payé. Ah, Fimovie donc qui est en piste avec les super soft. Donc là ça va être un caméra embarqué mec, je crois que je t'entends plus du tout. Ah. Putain, je vais essayer de baisser un peu le son. Vas-y. Paramètre audio, volume audio. On va le mettre à 5, on va essayer comme ça pour voir. Tu m'entends là? Vas-y, parle. Ouais, alors bonjour. Attends. Vas-y. Ouais, allô. Ouais, là ça va, c'est mieux. Ok. Je t'entends un peu plus. Alors que Sweeney a repris la piste aussi, mais je crois qu'il est dans son tour lancé. On va rester en caméra embarquée maintenant qu'on t'entend en caméra embarquée. Ça marche. Et du coup, lui qui a l'épingle, Sweeney. Cette épingle, j'ai toujours. Comment dire, un petit doute dessus quoi, de comment la prendre. Parce qu'il y a. Franchement, j'ai tenté deux façons de le faire. Là, il était un peu large, c'est dommage, j'ai perdu du temps. Il y a deux façons. C'est tu freines tardivement, on va dire, et tu freines assez longtemps pour prendre très large au début en fait l'épingle et repiquer au dernier moment pour pouvoir accélérer assez tôt et gagner un peu du temps et de vitesse et de reprise. Ou soit tu la prends très très à la corde en montant dessus comme avec les F1. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça fasse gagner tant de temps que ça avec la F2 parce que t'as l'impression que la F2 a plus de mal à chevaucher quand même le boudin, enfin le vibreur. Et je trouve plus mon mot ce soir.
soir, c'est infâme, c'est une folie. Et merci pour le follow de Renaissance. J'ai pas eu le temps de dire. Mais j'ai eu le temps de dire Renaissance. Parce que je faut que j'ai un truc parce que je me coupe une couille si Sony y avait pas de. Ah, tu te coupes les couilles si quoi? Ouais, voilà, toi autour annulé. Les couilles sont en sécurité. C'est ça, oui, non, il avait bien coupé. Ah, je suis calme. Je disais, quand même. Alors que Sparko vient de quitter. Ah! Les premiers problèmes internet, je crois que j'avais vu un peu rollback en plus, donc y a moyen. Et Hera qui vient de signer encore un meilleur temps. Et par contre, du coup, Film Movie est dans son tour de Super Saiyan, hein, je crois. Ah, ok. Ah, eh bien. écoute. Bon, bah, Infinity est plus, hein. Alors que Infinity est en train de améliorer très légèrement son chrono. Mais il faut qu'il espère. Ouh, et là il a touché, il a voulu passer trop près, malheureusement. Oui. C'est fort dommage, et là il se retrouve à l'arrêt à un endroit qui n'est pas. Ah, ça va être dur là. Oh là là, faut avancer là. Ok, c'est bon. Et là il y a un bon réflexe. Enfin, s'arrêter pas. Oui. Là il n'y avait pas forcément besoin de s'arrêter, mais c'est pas grave. Ah, je crois qu'il y avait peut-être un peu. Et Film Movie qui le relaisse passer. A mon avis, Film Movie a dû couper, c'est sûrement pour ça qu'il est. Alors, du coup, Infinity qui se lance dans le. Azaz qui est en Super Soft aussi. Trop tour, effectivement. Voyons voir ça. Est-ce qu'il est... Il est là. Azaz qui arrive à la chicane du port. Oh. Ouais, c'est bien passé ça. Franchement, Azaz, moi je trouve que les progrès qu'il fait sont à une vitesse. Ouais. J'espère qu'il va pas se pointer pendant que je dis ça, mais. Il progresse quand même assez vite. Et ça, c'est beau. Il va pouvoir se faire une petite saison là en Williams. On sait que Williams, c'est pas facile. Il va surtout se battre contre son coéquipier. Mais si il peut step up, franchement, je pense que ça peut vraiment lui faire. Enfin, ça peut être du tout. Hein. Ah. Peut-être coupé du coup. Très certainement, parce qu'il n'a pas amélioré, donc il a sûrement coupé. Là, je regardais. Parce qu'il y a quand même le premier virage, c'est un endroit où ça peut couper facilement, et puis à la chicane. Ah, il était sur la grille. Ah non, mais attends, il a dû rentrer, puis ressortir, et là, c'était son tour de sortie, je crois. Non, il était en. Ah bon ? Si tu vas dans le directeur, il y a marqué pénalité sur la grille, et c'était tout à l'heure, je crois, ça. Ouais, parce que c'est bizarre, parce que pourtant il me semblait pas avoir vu le en piste à côté de son. De son. Je passe. FM. Qui du coup il fait quoi là? Attends. Ah, il a recoupé FM. C'était un peu large pour Elsa, ici, il a dû perdre pas mal de temps. Ah, ça fait mal ça pour FM. Ouais, là, Film Movie, il va falloir éviter de couper, sinon ça va devenir compliqué. Ah, je pense que c'est sa dernière tentative. Avec les jaunes. Avec les rouges. Ah, il est avec les rouges là. Ouais, il est avec les rouges. Ah oui, parce que là, il va bouffer les rouges. Ah, toi, tu vois qu'il est en jaune. Non. Moi il est... je le vois en jaune parce que ça j'ai mis les gommes. Ah, le dernier temps. Ok, pardon. Enfin, meilleur temps, ok. Et ouais, Elsa qui a pas amélioré. Il aurait peut-être dû rentrer au stand Elsa parce que là il va bouffer ses gommes comme Jaja. Aïe aïe. Et c'est ça, c'est vicieux aussi. En fait, faut pas oublier que ces gommes là elles seront pas inutiles parce que dans la deuxième course, s'il y a un crash ou autre, ou qu'on perd l'aileron, surtout qu'on est à Monaco, c'est très simple de perdre l'aileron. Et qu'il n'y a pas de fantôme. Oui, voilà. Faut pouvoir avoir quand même un autre train au cas où si on est obligé de changer, quoi. C'est ça le souci. Alors je crois que Film Movie va finir son tour et normalement n'a pas coupé, sauf si j'ai raté un truc. Ouais, il a amélioré de 21 quelques... pile, ouais, de 5 dixièmes. Ah, s'il veut aller chercher. Il aurait pu faire mieux. Non, mais là, je pense que c'est mort. Avec les pneus, maintenant ils ont 3 tours, ça devient. Par contre, Sweeney pour l'instant qui est un peu en PLS, hein, il faut l'avouer. Ça galère un petit peu. Alors que ce dernier a été annoncé il y a pas longtemps chez Red Bull. Ouais. Il va être surveillé maintenant. Non, il est plus chez Alpha là. Enfin, chez Sauber. Ah bah non. Ça rigole plus là. D'ailleurs, la filière Renault qui n'a toujours pas fini ses recrutements. Ça va arriver, ça va arriver.
on est en pleine négociation. Hein, ah, faudrait que je te parle de... je te parle d'un truc à propos de ça. Ok. Mais il est très lourd qui arrive. Très très lourd. Très très lourd. Ah ouais. En attendant, tout ce que je vois, c'est que le directeur Renault prend son temps pour faire ses vacances. Hein. Il préfère partir en vacances au soleil. C'était bien. Faire son travail. Hein. C'était bien. Alors que TM7 a amélioré pendant qu'on parle. Oh, pas de beaucoup, mais il a un petit peu amélioré, ce qui lui permet de prendre la troisième place pour le moment. 21-5 hein. En soft, c'est pas mal. Qui en 6 tours. Oui, c'est pas mal. Ça reste une seconde de moins que Hera quand même. Ouais, mais Hera, merci c'est... du follow pour. Non, ouais, je saurais pas le prononcer là. j'ai un bugué. Poxmax. Poxmax. Mais merci beaucoup. Poxman. Poxmax. Pox. C'est sûr que c'était Pox. 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 Si on trouve la bonne façon de le dire, soit on s'arrête parce que. Alors que Elsa, ça est toujours. Ah, il est toujours en train de tourner. Oh là là. Ah, j'ai peur pour lui parce que ces gommes vont vraiment en prendre cher. Bah, clairement, en course 2, s'il a besoin de rechausser des gommes, il sera avec des gommes qui seront beaucoup trop usées, quoi. Mais c'est pas, ces gommes-là sont pas utilisées pour. Parce que là, il est en rouge, hein, Aizas. Elles sont utilisées pour la deuxième. En fait, les gommes de la qualif ne sont absolument pas utilisées normalement pour la première course, sauf si tu changes tellement de gommes que tu retombes dessous. Mais pour la première course, en fait, tu pars avec ton train de gomme qui est pas usé, le train de gomme neuf. Ok, ouais. Et ouais. T'as un autre. En fait, t'as deux trains de gomme. Ouais, ouais. Que ça soit de la gomme la plus tendre ou la gomme médium, enfin la gomme la plus dure. Et les deux, en fait, les deux qui sont pas usées, elles te servent pendant la course 1. Si tu ne casses pas H24 et que tu dois pas H24 changer tes gommes. Et les deux autres, normalement, de la qualif, sont censées être pour la course sprint. Mais est-ce que tu peux genre rentrer au stand, changer ton aéron, mais pas changer de pneus? Non, tu peux pas. Ah. Malheureusement, t'es obligé de changer. Tu aurais pu en vrai. Oula, alors qu'elle va se partir. En vrai, je crois que c'est possible de le faire. Je sais plus avec les nouvelles réglementations en fait. Enfin, je sais pas. Mais il me semble que. Après, si c'est pas fait, c'est qu'il y a sûrement une raison. Après, je sais pas, parce qu'en vrai, souvent, quand ils changent l'aileron, ils changent les gommes aussi parce que. Bien évidemment, en vrai, tes gommes, tu les vois, ils peuvent tourner pendant je sais pas combien de tours, contrairement dans le jeu où t'as un moment où tes gommes, quand elles sont mortes. Ouais, c'est vrai ça. Mais du coup, Aizas, pendant qu'on parlait, il a mis le 4ème. Il a fini par améliorer un peu. Il a fini par réussir à faire son temps. Je pense qu'il doit être un peu délire. DK qui vient de faire son premier tour en super sur 1.20753. Toms qui améliore en super de 1 dixième mieux que Hera. Mais ça va pas être suffisant. Hein. Hera, il va aller chercher la pole. Il va démarrer assez facilement, je pense. On va suivre ça en caméra embarquée. Et c'est là que on peut voir quand même la différence que Hera il a, c'est que contrairement à d'autres, il utilise vraiment la totalité de la largeur de la piste. Il n'hésite pas à aller sucer le rail, si je puis dire. Ça va. Ce virage qui d'ailleurs a toujours. La même chose que dans les autres opus, c'est que si tu te mets à bloquer un tout petit peu la roue à l'entrée du virage, et bah elle reste bloquée pendant tout le virage. Ouais. Même si tu n'appuies pas sur l'accélérateur ou quoi, elle reste bloquée. Faut surtout pas bloquer à cet endroit. Ouais. Tu bloques très facilement, forcément. Alors que Hera lui va arriver. Jaune dans le secteur chicane. De... Voilà, ouais, il y a une voiture juste devant lui. Est-ce qu'il a été déconcentré? Je sais pas. Je regarde s'il a coupé là. Ouais, regarde, mais je suis pas sûr que je l'ai coupé. C'est ça, non, c'est bon, ça passe. Ah, Hera, il aime bien chercher les limites. Oui, ouais. Sur la... Ouh, il a corrigé un peu parce que sinon, ça touchait avec l'arrière. Et là, il va pouvoir accélérer le DRS. D'ailleurs, qu'on voit avec les petites diodes vertes sur le volant. Ah, pas un sous du 19, hein. Top, c'est... Alors soit il s'est un peu foiré quand même. Ouais, il s'est un peu raté je crois. De toute façon il a touché le premier rail à la sortie du premier virage. Donc ça a touché un petit peu. Il y a Félix qui demande si tu peux mettre le compteur de vitesse, l'HUD avec... Ah, l'HUD.
Je crois que c'est ça. Ouais, c'est la télémétrie. Toi aussi, elle marche pas? Oui, elle marche pas. Ouais, elle marche pas. Lol, donc bah désolé, mais non, on va pas pouvoir la mettre. Ah bah, on est sur un jeu Ready Sport, hein, n'oubliez pas. Oui. Hein. Après, je vais pas cracher sur. Enfin, non, Coco, c'est pas eux qui m'ont envoyé en Coupe de France. Non, bah non, c'est pas eux qui t'ont envoyé en Coupe de France. Bah, Ready Sport, mes couilles. Ah, c'est une calamité, mec, ils font des mises à jour, ils cassent plus le jeu qu'autre chose. Quoi. Ah non, on sait pas pourquoi, elle marche pas. Non, parce que avant la mise à jour, en tout cas, le week-end dernier, enfin, le week-end dernier, je veux dire, mercredi dernier, elle fonctionnait très bien. Hein, donc, c'est très étrange. Du coup, là, on est sur la fin de qualif en vrai. Je pense que là, peut-être tout qui va bouger. Il y a Swing qui va aussi Frosty et Benoît qui sont sortis. Ah, c'est les seuls. Frosty qui est dans le tunnel à l'arrêt. Oula. Qui est complètement de travers. Par contre là ouais, je suis pas sûr que ça a été le bon move de leur part quoi. Une 20-243 Sweeney qui passe devant Hera. Attention, dis-go. Un nouveau challenger est arrivé. Ah mince, il y a l'automode sur le chat. Ouais, je viens de voir. Mais je peux pas l'autoriser parce que sinon je vais faire un retour Windows et ça va. En vrai, je peux, vas-y. J'espère juste que je vais pas crash. Ah non, j'ai trop peur de crash. Ouais, c'est ça le truc. Non, Félix Klinar, on a vu que t'as dit ah merde. Mais on peut pas le montrer à tout le monde. Mais on a vu. Voilà. Parce qu'il faut savoir que sur ce jeu, il faut pas faire d'étab, c'est trop dangereux. Tu peux crash. C'est vrai. Et Frostil qui rentre au stand, du coup il pourra pas faire de tour et du coup il va partir dernier. Donc il finit peut-être son tour là. Non, mais là il va commencer son tour là. Ah, il commence, ok. Parce que là c'est le grand mystère. Ouais, il y a une tentative. Hein. Enfin, c'est terrible. Vraiment là, j'ai pas compris cette stratégie parce que surtout sur Monaco, c'est tellement pas la bonne stratégie parce que là, ils ont le gros risque de. Ouais, s'il y arrive, lui ça passe, mais regarde Frosty, il a fait une erreur et c'était fini. Hein. Ouais. Là c'est fini, par dernier, ça va être compliqué pour lui. C'est vrai qu'un bandeau à voir la mi-course parce que t'as, franchement, t'es sympa. Même pas, mais bon non. Faut être optimiste. Je sais pas, alors, franchement, si ça casse au début, mais sans les fantômes, mais c'est un merde. Hein. Ah oui, possible, très possible. Après, c'est encore jamais arrivé. Mais... Ça va, parce que. On va dire, il y a. Ah, 1.20.31, oh, je pensais qu'il passerait en dessous des 1.20, Hera. Ouais, il était pas là. Dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire. Benol qui a eu une petite glissade à la réaccélération. Et pour ça, c'est pas mal quand même. Ça va. Enfin, je connais, je suis pas tâté. Par contre, TM7, il est en tour là, TM7 ou pas? Alors. Ouais. Ok, ouais, ouais, parce que je me disais, s'il a fait avec les S, il a pas compris que c'est pas avec ça qu'il partira. Qu'est-ce que ça va donner pour Benol? Est-ce que c'est grand mystère, hein? Aucun temps. Ah, il va être un peu loin. Ouais, ah ouais. 11ème, voilà. Aïe. C'était pas la bonne stratégie. Bah, c'est vrai que ne pas se chauffer sur Monaco, c'est chaud. En fait, sans vouloir être méchant ou quoi, mais. Quand t'es quelqu'un qui a un level supérieur, mais vraiment, genre t'as un gars des fin e-sport ou voilà quoi. Oui, tu peux te permettre, mais quand t'es pas non plus avec un niveau qui dépasse de très haut les autres, vaut mieux pas se laisser qu'un seul essai parce que sinon c'est trop risqué en fait. Il y a trop le risque de perdre des passes. Après, il a de la chance parce que Elsa, ça a les 5 positions de pénalité, donc ça fait qu'il va passer 10ème. Mais bon, 10ème à Monaco, c'est un peu compliqué pour remonter quand même. Hein. Alors que TM7, lui, a réussi à avoir la 5ème place quand même. Ok, bah ça peut être intéressant. Donc, Hera qui fait la pause, Winnie qui suit pas loin. Tom's 3ème, Infinity 4ème. C'est pas mal. Ah merde, c'est pas mal pour Infinity. Oh merde. Tom's aussi qui est en vrai, il est rapide. Je crois qu'on va retrouver chez As cette saison. Ouais. Donc il va y avoir du boulot. Petit Tom's. Et pour avoir fait une course la pas longtemps contre lui, en vrai, c'est un bon pilote parce que. Je crois que pendant 15 tours, je l'ai bloqué juste parce que j'avais moins d'aéro que lui et en ligne droite, j'allais plus vite, mais sinon, il y avait plus vite que moi. Ah oui, et franchement, il a pas craqué à essayer un dive bomb de l'enfer ou un truc.
Ouais, non, mais Tom's, C'était carré. Il est carré pour il Tom's. est, ouais, il est propre, il est plutôt rapide. Hein. C'est vrai que c'est, bah, à la base, il roule depuis, je crois, assez longtemps chez VRC. D'ailleurs, il est dans le staff VRC. Ouais. Et oui, et puis il a toujours été plutôt propre et assez, comment dire, assez combatif. Et Mais il est jeune en sans, plus, donc ouais, il est jeune aussi, ça qu'est-ce que promet. ça va être dans 2-3 ans? C'est une pépite! Alors, tour de formation. Est-ce qu'on va déjà pouvoir assister à quelques moments cocasses pendant le tour de formation? Ça arrive. Le tour de formation, comme tu le disais, Jean-René. C'est Ouais. bon, ah, tu vas pas cacher à tout le monde que tu t'appelles Jean-René. Ah, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que. Attends, je vais déjà mettre les intervalles. Ouais, ça c'est Ah ouais, j'avoue, pareil. bon. Changement de position. C'est vraiment utile, pas forcément. Les pneus, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, en mettant les pneus, je viens de remarquer que Tom Sui a décidé de partir en soft. Ce qui, Ah ouais? ma foi, n'est pas forcément. N'est pas idiot. Parce qu'on sait Non, franchement. que sur Monaco, c'est compliqué de dépasser. Donc, qu'il soit rapide ou pas, Ouais. les autres derrière S'il vont arrive à être se obligés maintenir. de. Voilà, il peut arriver à se maintenir. Parce qu'il suffit juste qu'il arrive. À garder une certaine distance ou Ouais. à bloquer comme il faut, sachant que bah, sur Monaco, quand même, à part si on est complètement fou, on va pas se jeter comme un fou dans le virage parce qu'il y a le risque de se faire exploser, quoi. Mais voilà, c'est alors que je trouve qu'il y a l'air d'y avoir. Ah non, c'est les écarts qui sont buggés parce que je me disais qu'il y avait quand même pas mal de trous. Et donc Serp qui nous a rejoint aussi pendant parce Effectivement. que malheureusement il n'a pas pu participer aux qualifications mais il est Attention quand à même parti. Slurp, parce qu'on connaît Slurp, hein. Il est capable Aïe, d'une il est catastrophe vif. au premier virage. Non, on va dire qu'il est téméraire, c'est pas pareil. Alors que les voitures se remettent sur la grille, j'aimerais J'ai pas avoir une bonne une. visu, c'est Ouais, chiant. moi non plus, j'ai pas une très bonne. Ah, c'est que des visuites derrière. Ah, ça c'est Ah, dégueulasse. ah non, c'est bon là, remets-toi, je te reverrai. Ah, voilà, non, c'est sur swing. Alors que le feu s'arrête. Troisième homme cassé, premier tour, tu penses? Ah, Alors, on quand va même pas. voir. Pas ce genre de passes qui vont être Pas trop loin. tranquilles ou pas. Oh, ça freine. Oh, je crois qu'il y a une Oh là Prima qui là. a tapé derrière. Ouais, là ça tape. Oh, alors qu'il y a une. C'est Infinity qui est un peu en PLS là. Il a tapé, il a perdu les deux côtés de son aileron. Attention quand même à ce que ça ne se touche pas, parce que là, il va aller taper le rail dans ses mots. Il est très proche de la Ardenne, c'est qui la Ardenne CJB. Ouf, ça glisse un peu. Pour l'instant, DK ça Wolf va. qui a pris une place, je crois. Qui a pris Ouais, vie. bah ouais, parce que Infinity a. Ah non, c'est Infinity qui est descendu, Ouais. ok. Oh, ya, 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 c'est quoi ça? Ah, bah Départ. c'est JB, je crois, avec sa Ardenne que je vois sautiller dans tous les sens. J'espère que les Primas se sont pas touchés parce que j'ai cru. Oula! Ah, mais il y a quelqu'un qui est en fantôme. Ouais, C'est c'est. Bah, Snoopy, je crois. non, c'est JB, je crois, qui se téléporte un peu Ah, c'est partout. JB. Ah, ouais, merde, c'est JB. Ouais, il a. Je crois qu'il a des problèmes de connexion. Oh, j'aimerais pas être à la place de ceux qui sont derrière Ah moi. oui, JB qui prend déjà 3 secondes de pénalité. Ouh, Benom qui a eu une grosse glissade. Et Frosty qui s'en Ardenne. sort pas trop mal dans l'histoire. Par contre, ouais, JB c'est. C'est chaud Ouais, hein, quand il se met à un se peu de la téléporter. bosse. Ouais, JB. Ça va être le nouveau TM7 un peu, je crois. Attends, j'ai mal vu, mais j'avais l'impression que Ragnite a perdu. Un Hein. peu Ouais, aussi. Ragnite a perdu ses deux côtés aussi. C'est deux. C'est Ah. chaud. Ouh, alors que TM7 est vraiment dans le diffuseur de Filmovie. Ouais, Filmovie qui subit la pression de TM7 là. Et quand on sait que. Bah, quand on connaît TM7, la pression, on Ah mais peut je pense l'avoir que parce qu'on sait qu'il est un peu fou. heureusement pour Fibovie il ne les connaît pas trop je crois donc Ouais. Ah, et mais. peut-être qu'il va l'apprendre par contre du coup. Attends, mais j'ai l'impression que Filmovie a aussi. Ouais, il a aussi perdu un morceau des lettres.
Qui ça? Film Movie. Ah. Sur l'avant droite. Ah mais ça a beaucoup tapé hein, dans les épingles. Ouais, ouais, effectivement. C'est peut-être pour ça aussi qu'il perd du temps sur TM7 et que TM7 ouais. arrive à lui mettre la pression. Ah, ouais. Ouh là il est très large. Ah ouais, voilà, il va tenter un truc TM7. Hein. Putain, les pénalités elles tombent. Oh, oh TM7. J'ai tellement peur qu'il y aille. Ah oui. 3 secondes pour Sweeney. C'est mal, ah, ça. Bah, oui, là les pénalités qui commencent à tomber. Sachant que R1 en vrai, pour les battre, c'est une bonne technique d'essayer de ne pas se prendre de pénal. Parce ouais. qu'ils s'en prend souvent. Alors Fibouvi qui arrive à reprendre l'écart raisonnable. Alors que Deka a tenté sur Tom son premier virage, attention Tom qui ça passe peu... Ouais mais Tom qui a laissé passer. J'ai pas tout vu. Ça s'est un peu, ça s'est vite fait on va dire accroché et Tom ça a failli le serrer trop contre le rail mais il a relâché. Ouh le travers de Deka là. Attention à pas trop non plus attaquer dans les pneus. Tom qui doit être un peu en. Pas en agonie mais voilà quoi, il est en jaune. Donc... Ouais, mais d'ailleurs je me dis, ah il glisse partout Tom, je sais pas si c'est le drapeau jaune dans c'est le des... secteur 2. Bec. Oh c'est JB. Ah JB qui t'a. Bon. JB qui... Oh là là et du coup il y a Elsas qui s'est tapé dessus. Serp qui arrive, comment ça se passe, si ça va. Aïe aïe aïe. Ah c'est terrible pour JB parce que... Déjà, il y avait cette histoire de mise à jour qui a bien fait chier, je pense. Ensuite, la connexion. Oh, la Infinity qui est de travers. De Viator de sécurité. Elsa qui a pris. Ah, du coup, il a pris une pénalité pour avoir touché JB. Alors, c'est pas la course de Elsa, c'est clairement. Il se prend Unlock sur Unlock. Et du coup, Hera qui en profite entre le stand, Sweeney. Et Sweeney, juste derrière. Oh, bah ça devrait le faire vu que c'est sous voiture de sécurité, ça va. Ouais, mais des KO, il est juste derrière aussi. Hein. Oui, effectivement, là, par contre, mais c'est moins d'être pour Sweeney. Aïe, perdre une place à Sweeney, en plus, ça a l'air d'être assez long. Mais il peut pas sortir! Il peut pas sortir! Oui, c'est le temps qu'il ramène les autres pneus. Mais il passe quand même Sweeney, mais finalement, tout le monde a perdu du temps. Mais Sweeney on a perdu énormément parce qu'ils peuvent pas. En F2 c'est vraiment lent donc là on perd trop de temps comme ça. Oh, et ah, mais par contre c'est terrible pour Toms. C'est terrible pour Toms là ce qui se passe. Ah, mais Toms là il a tout gagné. Il va devoir là. S'arrêter. Il va... Bah ouais, non mais il va devoir s'arrêter pour mettre les rouges à un moment. Et s'il y a la voiture de sécurité, il me serait frappé. C'est vrai. Après, vu qu'il a des pneus un peu plus chauds, si la voiture de sécurité reste pas là trop longtemps, il peut peut-être y gagner ouais. un peu. Mais il va sûrement rester au moins 2 tours. Hein, donc, c'est chaud. Après, c'est vrai que c'était pas le meilleur moment pour lui qu'elle sorte là. Ah bah non, il pouvait pas. Ouais, c'est ça, il peut pas rentrer parce que sinon il finit pas la course. Slurp et... qui s'est pas arrêté. Ah, c'est vraiment pas de chance. Slurp qui tente un coup de poker peut-être. Non, je pense que il est toujours pas au point sur les tactiques, mais. Ah bah après tu peux te dire que ouais bah je suis 3ème, je vais perdre moins de temps que si je suis 12ème, peut-être que ce temps de gagner ça fait un arrêt au stand. Ouais mais non parce qu'en fait dans tous les cas t'es super, il va les tenir quelques tours, il va rentrer au stand et tous les autres derrière ouais. qui se seront amassés derrière c'est lui. Ah mais c'est peut-être aussi une histoire de coéquipier hein. Ah non quoi qu'il y a pas de non, coéquipier. Non il a pas de coéquipier. Ah, bah. J'ai plus d'idée. Non je pense que c'est une mauvaise évaluation de sa part. Quand il va rentrer et presque stand, il a du coup bah, plus que 3 je crois hein, de les rencasser au premier tour. Ouais, il y en avait plus que 3, je sais plus combien il y en avait mais plus que 3 ça c'est sûr. C'est qu'il ne rentre pas ouais, donc il a bien décidé de rester. Ouais. Bah, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est un peu osé là. Et même c'est plus que osé en fait. Je par pense contre TM7 et Bélin ils se sont mis bien. Attends, ouais ils se sont mis bien, ils sont 5 et 6. Ouais, enfin, ouais. TM7, non, c'est Bénal qui s'est mis vraiment bien. Oui, en fait. Bénal s'est mis vraiment très bien. Bien joué. Ouais, pour une fois qu'il a pas de malchance et qu'il a plutôt de la chance. Bon, après, on va pas parler trop vite parce que si ça se trouve, ça va pas durer longtemps. Mais. Et ouais, donc bah, tu vois, Hera qui a déjà rattrapé Toms. Hein, donc, malheureusement, pour Toms, c'est pas de chance. Qui...
Attends, je vais regarder un peu les changements de position, hein, parce que c'est vrai qu'avec tout ça, on a du mal à s'y retrouver quand même. Après, le grand perdant dans l'histoire, c'est quand même Sweeney, hein, qui se retrouve. Il était deuxième et il se retrouve septième c'est clair. C'est clair. Est-ce que Benoît va le laisser passer? Je ne crois pas. Je pense qu'il aurait. Ouais, non, mais je pense qu'il aurait dû attendre en fait un tour de plus pour rentrer au stand. Il aurait perdu. Ça aurait été mieux, je pense. Ça aurait été mieux, je pense. Si, ça aurait été mieux parce qu'en fait, lui il aurait continué. Les autres, ils seraient sortis des stands, ils auraient été un peu plus loin. Il aurait peut-être perdu une ou deux places à la limite, mais pas beaucoup plus quoi. Alors que là, il a vraiment perdu énormément. Hein. Ouais. Alors que Slurp rentre maintenant. Arknight aussi, malheureusement, qui est descendu pas mal. Alors là, tu vois. Je comprends toujours pas parce qu'avoir attendu que tout le monde se regroupe pour rentrer au stand et du coup ressortir. Peut-être pour faire sa stratégie bien comme il faut. Oui, il voulait peut-être garder un peu plus de pneus pour avoir moins de tours à parcourir avec les S. Mais après, tant que t'es derrière la safety car, tu perds pas tant que ça. Enfin, tu uses pas tant que ça des pneus. Donc, c'est vrai. Après, tu vois, si, de toute façon, si de base il fait 12ème. Mec, ouais. Regarde le live. Snoofy, je le vois sans aileron avant, ni roue arrière. What? Attendez que ça va refaire voir par l'extérieur. Si ça veut bien. Ouais, voilà. Pas d'aileron avant, ni de roue arrière. Ah ouais. Mais il se porte ready. Hein. Ah mais carrément. Hein. Ce jeu n'est pas du tout pété. Oh mon dieu, mais c'est une catastrophe. C'est n'importe. Bon bah c'est peut-être une stratégie, hein, rouler qu'avec les roues avant et pas d'aileron avant, sachant que... Ah, c'est moins lourd hein. Oui mais sachant que la propulsion est à l'arrière sur les F1, celles de l'avant ne te donnent pas de vitesse. Oui, je sais. Donc en soi... intervention de... Ça va se terminer dans ce tour-ci et on pourra reprendre un rythme normal alors que Toms du coup... va pouvoir donner le rythme sur cette relance de course. Ou Hera qui est chaud. Toms qui va devoir se battre pour vraiment mettre le plus de temps possible aux autres pilotes. Et Hera aussi qui compte bien partir. Toms qui réaccélère. Oh, ça réaccélère un peu, malheureusement. Il s'est raté. Du coup, Hera va pouvoir passer. Attention. Hera qui va tenter au premier virage qui reste bien à l'intérieur. Oh, il reste bien Toms. Mais Toms a gardé plus de vitesse, ouais. Mais malheureusement, il a voulu, je pense, surprendre et au final, il a donné trop de gaz au moment de partir et sa voiture a un peu chassé de l'arrière. Sweeney qui attaque Bénol aussi. Sweeney qui est très très proche de Bénol, effectivement, aussi. Et là, ils sont un peu tous proches. Oh, Sweeney qui va peut-être tenter au prochain virage. Oh, c'est maintenant ou jamais. Ah, Bénol, il va passer ses pairs. Attention. Surtout là, dans l'épingle, ça va être compliqué. Oh, Bénol qui est à côté, j'ai l'impression qu'il a eu un petit rollback. Bénol qui est un peu glissé, du coup, ça profite pour Sweeney qui passe. TM7 qui a du mal à rester en contact des trois de devant. D'ailleurs, je le vois en super alors que sur la HUD il est en soft. Je pense qu'il est en soft. La HUD c'est toujours celui qui a raison. Je vois un jeu. Wow, ça c'est classique. Le goût et les couleurs. Hein. Ah, derrière, il y a un petit peu un bouchon entre Infinity, Fimovie et Bénol. Qui c'est qui là qui a du super. Passer sur ce parcours aussi. Est-ce qu'il va pouvoir aller attaquer Snoofy? Ah, Snoofy qui est assez lent. Je pense que ça ne marche pas si bien que ça sans aileron avant et roue arrière. Hein. Ah, fallait tenter, hein. Il y avait une peine. Ouais. Attention, est-ce que Rakan va pouvoir aller le chercher? Il n'a pas encore le DRS. Et Slurp qui est passé sur les S aussi. Et qui passe sur ce parcours. Qui est vraiment dans le cul de la Harden. Ah ouais, un qui a relâché un peu. Il tente pas l'impossible, c'est bien. Il faut être patient, surtout à Monaco. Alors que Hera vient de dépasser Toms, je l'ai pas vu. Oh, oh l'accrochage entre Hera et Toms. Oh là là, et du coup la carline de Sweeney qui vient taper. Oh yo 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 yo, mais ralentissez. Il y a un drapeau jaune, les gars. Aïe aïe aïe, oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Toms ou c'est Hera, j'ai pas vu qu'il allait un peu trop large en sortie
de l'épingle et du coup c'est allé taper dans le mur et ils se sont retrouvés en travers. Enfin la voiture de Hera s'est retrouvée en travers. Hera du coup qui n'a plus d'aileron avant. La voiture de Tom ça donne quoi là? La voiture de Tom qui s'en tire pas trop mal hein, elle a rien de cassé. Ouais, mais malheureusement il doit encore s'arrêter donc en vrai Benoît le podium j'ai annoncé ça tout à l'heure, quand je dis ça je dis rien. Le cœur qui doit le faire. Le DRS qui est réactivé. Allez Benoît. Attends, parce que Fimouli n'est pas là. Oh, attends. Et Frostil, le coéquipier de Bénol, qui abandonne du coup. Ah mince. C'est un peu un abandon de la rage, je pense, parce qu'il pouvait repartir. Hein. Hera, du coup, qui rentre au stand, qui va changer son aileron. Swarp aussi, qui a l'air de changer son aileron, alors qu'il était quand même loin de l'action, donc je ne sais pas comment il a fait pour le casser. Oh, là, du coup, Hera qui passe de jaune à jaune. Oui, donc, parce qu'il reste un peu trop de tours pour continuer. Ouais, avec ça veut dire que la course 2, il va reprendre les jaunes. Ça va être compliqué pour lui ouais, sur la course 2. Il va falloir vraiment garder un maximum. Ragnite, qui est toujours à l'attaque sur Snoofy, hein, qui a toujours pas changé sa technique de ne pas avoir d'aileron ni de roue. Est-ce qu'il va tenter ici à sortir du tunnel? Benol qui prend 3 secondes de pénalité, malheureusement ce sera peut-être pas un podium pour lui, alors que dans le secteur 1, secteur 2, nous avons encore un drapeau jaune qui est dans le secteur 2 maintenant. Quelqu'un aurait un petit. Peut-être. Non, je pense que c'était peut-être. Non, je sais pas. Ouh, JB qui a touché Isas. JB. C'est l'IAD JB en plus, je crois. C'est l'IAD. Mais Isas, mais c'est pas possible, il y a vraiment pas de chance. C'est incroyable. Ouais, mais oui, c'est l'IAD du coup. Parce que j'ai pas vu revenir. Oui, c'est l'IAD. Ouh, Snoofy. Enfin, Snoofy X maintenant qui s'est pris 3 secondes aussi. Ah, JB qui rentre. Est-ce que du coup c'est bien qui a... Oh lolo, Film Movie qui a failli partir en glissade dans le mur. Côte à côte avec Sweeney, ça passe pour Sweeney du coup. La grosse bataille qui peut profiter pour Benol, Infinity. Effectivement. Ah Benol, il fait pas se prendre les 3 secondes là. Et derrière, donc j'ai qui descend. Snoofy qui est toujours là, qui défend toujours sur, ouais. Sur Aknight. Il est solide. C'est vraiment dingue de voir la voiture comme ça. Moi ça va, j'ai pas de bug du coup. Ah ouais, toi tu l'as pas, putain. Je suis bien moi. C'est trop relou quoi. Ouais, je sens Ragnat qui commence à s'impatienter là. Oh, il a dû couper ici. Ouais, il est coupé. Avertissement. Et DK qui. Fait son envol et là franchement il a gagné vraiment énormément de chances de gagner cette course donc on va voir TM7 aussi de toute façon Tom's va devoir s'arrêter donc là TM7 il y a 9 secondes devant Benol il reste 10 tours qui a fait une erreur qui profite à Ragnight. Excusez-moi j'étais en train d'écrire un SMS j'ai pas vu. Pas de soucis. Et maintenant Ragnight qui est juste derrière Film Movie. Ouais, il est vraiment proche, hein. Film Movie qui a l'air d'avoir perdu un peu de. Ouais, il a un aileron cassé. Il a l'aileron cassé à l'avant droite. Ah merde. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu. Infinity qui est pas loin de Snoofy encore. Oh, il va peut-être tenter ici. Hein. Il prend l'intérieur. Oh, ça freine pas. Et c'est Snoofy qui repasse devant. Ragnight. Ah, ça se cherche un peu, hein. Bah, après, c'est Monaco, c'est normal. C'est Infinity Snoofy. Oh, regarde Infinity Snoofy, gros. Infinity Oh, ça a touché. Ça a touché, malheureusement. C'est Infinity qui l'a touché. Il y en a un qui a passé à cette place, mais je sais pas trop. Là. Et ça ressemble à un rage kit de la part de Snoofy.
Aïe aïe aïe. Filmovie 5 secondes. Ah, ah, il rentre au stand pour changer son aileron, je pense. Et 5 secondes de rentrer au stand. Non. C'est pire sur un sentiment. Par ça. Contre, on. Oh, Ragnar qui allait taper le rail. Attention à pas casser, ce serait con alors qu'il a fait une bonne remontée là. Ouais, juste. Oh, Hera qui vient de quitter. Un problème de connexion. Ou alors juste il y en a marre peut-être. Mais non, je pense que ça doit être un problème de connexion. Non, Hera il y a pas, c'est pas son, ouais. C'est pas son style. Et puis en plus, il sait que techniquement le rage kit est pas autorisé. Il est pas bien vu en tout cas. Ouais. C'est sûr. Ça par contre, il faut bien que les pilotes soient au courant, c'est que le rage kit durant une saison est carrément interdit. Ça peut amener à des grosses ouais. sanctions. Ah oui, parce que là on va voir les IA. En fait le rage kit, alors que vous êtes en train de rouler, ça fait que l'IA contrôle la voiture et bah, ça fout le bordel, mais genre un bordel monstre. C'est terrible. Et là, on a quand même. Là, pour l'instant, on a 3 IA du coup sur la piste. Hein. Ouais. Bon, on a déjà passé à mi-course, donc c'est parce qu'Ethan n'aura pas eu raison. Mais... Effectivement. On était pas loin quand même. Parce qu'on a aussi un Frosty du coup qui a abandonné. Ouais. Le seul abandon pour l'instant. Ouais. Enfin, techniquement, les autres, c'est un abandon. Ouais, enfin, Eras. C'est pas un abandon. Non, Eran, on sait pas. Eran, on sait pas. Déco. Oh, drapeau jaune dans le secteur 2. C'est une voiture qui. Je sais pas. Non. Peut-être Slurp, il a perdu un bout d'aileron. C'est peut-être lui qui a tapé, du coup. Mais par contre, là, on est vraiment en train de se diriger vers un podium super étonnant. Et Sweeney qui se rapproche de Benoît. Hein. Effectivement. Très étonnant de voir TM7 dessus. Ah bah, là, TM. Est-ce que Sweeney va réussir à dépasser Benoît et ensuite qui profite des. Alors que là, lance iRacing. Ah. Oh, il m'a fait tousser le con. Ah, mais ouais, peut-être que je sais pourquoi il l'a lancé, parce que les autres, s'ils sont en course, ils peuvent pas l'inviter. Ouais, donc du coup, Tom qui va devoir s'arrêter bientôt, j'imagine. Et Sweeney qui. Il y a un duel d'IA là, entre celle de Hera et JB. Ah. Ah oui, effectivement, Sweeney qui se rapproche de Benoît. Sweeney se rapproche. Mais ça va être vraiment dur d'aller chercher le TM7 ensuite, hein. Je pense que c'est. Enfin, je pense que c'est mort. Déjà, faut qu'il aille chercher Tom avant. Ouais, mais Tom il va s'arrêter, parce qu'il est en jeu. Ah oui, c'est vrai. À part si TM7 se rate. C'est ça. Là, TM7, faut pas qu'il fasse une Vettel, quoi. Non, mais sachant que quand je pense à TM7, ça me fait penser à Ferrari. Hein. Ah, pas pour la vitesse, même si en vrai, il est pas lent. Ça va. Après, en vrai... Mais c'est le choc, voilà, quoi. TM7, je pense pas qu'il va... TM7, il est comme ça. Il fait son petit bonhomme de chemin et une fois qu'il y a eu les erreurs devant, bah après il va tranquille. Sweeney qui tente peut-être, non. Non, c'est l'homme qui a refermé. Oh, Sweeney qui a tapé. Est-ce qu'il a perdu un bout d'aileron? Ouais, il a perdu son bout d'aileron. Oh non. Ah ouais, c'est terrible. La merde pour Sweeney. Alors que... Il va faire son premier podium. Alors qu'il y a Infinity derrière eux, qui est à un tour. Sparko qui s'est. Mais du coup, c'est une... Non, c'est pas une IA. Il y a en marche arrière, Sparko. Va falloir trouver une solution. ouais. Il fait la course en marche arrière. Oh, attention, celui qui se décale et Infinity derrière qui se décale aussi. Attention, Infinity, faudrait pas aller. Ouais, toucher non, les pas deux. Venir, attends, drapeau jaune, c'est qui ça? Ne dis pas que c'est Sparko qui est encore en marche arrière. Et si, non, c'est bon, il s'est remis les deux en marche, mais il est très très loin. Ils arrivent sur lui. Par contre, c'est vrai que Infinity, bon, ça peut se comprendre qu'un pilote avec un tour veut rattraper. Par contre, quand il y a une bataille, ouais, faut pas faire chier la bataille. Faut attendre. Enfin, de mon point de vue, je sais pas si. Voilà. Oui, c'est sûr. Hein.
Surtout que en plus il se décale derrière comme ça et tout. Bah, Sweeney, lui, même s'il sait qu'il a un tour, ça reste une pollution, on va dire, visuelle dans Bah les oui, rétros. faut faire attention. Mais bon. Oh, Benoît, non, qui a trop accéléré, je crois. Ah oui, il a dû Ah, accélérer un petit terrible, peu il doit s'en trop. vouloir. Et du Il coup, va il a passer ses glissé. fers, il y en a un. Après, Sweeney, c'est un gros poisson, même avec un aileron à moins. Ouais. Et le problème, c'est que pour qui. Oh, et Storm qui a quitté Tiens, parce qu'il aussi. s'arrête. Pour espérer bah, Il arriver s'arrête. à passer Sweeney, il faut que Benham arrive à ne faire quasiment aucune erreur en fait. Parce que Sweeney en fait beaucoup moins. Après, il peut en faire comme il a fait là avec son aileron, mais. On va voir, Même mais avec je crois le qu'il est guidon un petit en peu. moins, il arrive quand même à Ouais. avoir un rythme plus élevé. Effectivement, Presque Tom. Benoît du coup va se réveiller là, sursaut Tom qui d'orgueil peut-être. est ressorti sixième. Y a du mal. Il y a du mal dans les courbes hein, quand même, celui-là. Ouais, bah, avec la longue cassée. Oh bah une petite erreur. Ah ça suffira pas. Mais Sunny fait quand même de petites erreurs alors. Et Infinity toujours qui klaxonne derrière. Est-ce que Benol ne devrait pas laisser passer Infinity pour qu'il aille faire chier Sweeney? Parce qu'il a l'air plus rapide quand même. Ah moi je tenterai ça. Si je vois que j'ai pas un rythme contre Sweeney, je tente ça. Hein. Ouais, non, là c'est pas. Ah, celui ah, je pense que ça va être vraiment compliqué pour Benol. Ah, c'est dommage, les podiums étaient à portée de main. Et bah, il suffit d'accélérer trop fort. En plus, les F2 elles chassent vraiment fort de derrière. Donc, et Benol il s'est fait surprendre, malheureusement, pour lui. Effectivement, c'est. En fait, la F2 chasse un tout petit peu loin de l'arrière. Enfin, je trouve que c'est plus simple de pouvoir accélérer fort en fait avec que la F1, ça c'est sûr. Ah moi je trouve que c'est le contraire. Mais non, en vrai, la F2, tu peux être un peu plus vénère sur l'accélération. On regarde rien qu'au départ. La F2, départ, c'est quasiment pied plancher, alors que la F1, tu peux pas. Hein. Ouais c'est vrai. Après, c'est juste que la F2, en fait, c'est sur. Il y a un turbo au moins je crois. Ouais, c'est en fait, c'est du coup, c'est ça le problème. C'est le turbo sur la F2, c'est le côté où il faut que tu peux accélérer fort, mais dans les, en fait, en reprise de virage lent, c'est là où il faut faire gaffe parce que si tu accélères trop fort, bah t'as le risque d'avoir le coup de cul, quoi. Je te coupe vite fait, mais je crois que Tom est en train de klaxonner derrière Rock Knight. Ça peut être aussi Effectivement. intéressant ça. Effectivement, est-ce que Tom va pouvoir dans ses derniers tours aller chercher jusqu'à Bénol, peut-être? Ah bah. Faut voir. Hein. Après, là, il y a des camps plus tendres. Une Oula, erreur de pression Rock dans le Knight, je pense deuxième que ça suffit. secteur. Bon, il va mettre la pression à Rocknight. Ouais. Ah oui, Sweeney a 19 secondes de retard Ouais, non, sur là, Tom, c'est TM7 incroyable. il va pouvoir se vanter d'un bon podium bien mérité. Enfin, bien mérité. Oui, si, quand même. Un podium Mérité. de Charcot, un peu Oh putain de merde! quand Bâtard. C'est mes mots, moi. Tous ces podiums, ça a été comme ça. Ou Ah, Tom bah qui a pris écoute, 3 secondes. on va te dire que quand il y a une opportunité, il faut être assez bon pour la prendre. Et en vrai, il a réussi, donc c'est quand même bien joué à lui. T'es Même sûr? si oui, il y a eu des voilà. Des choses. Ah, secteur 3 drapeau jaune, mais il y a quand même Tom là qui va tenter un truc sur Arknight. Ouais, du coup, Ah, Hera, c'est bien erreur. ça, c'est que son jeu a crash. Ah merde. Du coup, ouais, va falloir attendre la prochaine course pour pouvoir être réinvité, quoi. Ouais. Ça, c'est le souci. Ah putain. Le famoso crash sur F1 2019, le jeu eSport Trading, hein, Mais rappelons. je crois qu'en plus, ça a jamais. Oh, Tom qui a touché de l'arrière sur le rail. Je trouve que les jeux F1 n'ont jamais autant crashé que sur ce 2019. Hein. C'est un truc Ouais, de ouf. clairement. Clairement. Le 2019, il crash, mais souvent, quoi. C'est dingue. Ouais, mais peut-être qu'il y a un pilote qui, à la fin de la course, là, il va avoir le temps de te réinviter. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Faut essayer de voir ça. Faut juste être prêt, genre la limite, faudrait que tu relances ton jeu et que tu te tiennes prêt à rejoindre quoi. Je Parce sais que pas si t'as là, un. faut que par exemple,
Si c'est avec Souligné en vocal, il t'invite dès qu'il passe à l'état arrivé. Ouais, voilà. On a été un peu surpris. Ah, par contre, Tom, ce qui tente. Ah, quoique. Attends, la place, il est balancé. C'est bien, c'est bien, ça se respecte. Malheureusement, on n'a pas réussi à trop voir l'accident. On a été un peu surpris. On a vu le après. Dommage. Je tente inter à épingle, mais il relâche pas. Du coup, je finis par ma rotation et ne roule entre choc et Shindong. Ah, écoute, coup dur. J'ai été optimiste, mais quand t'es extérieur, j'ai pas d'habitude, etc. Ouais, c'est... Bon, écoute, je vais arrêter de lire parce que du coup, je ne peux pas être le tribunal non plus, c'est pas... Sinon, il y a Slurp qui a rejoint, arrive, faudrait... Tu l'as en ami, à Slurp, parce qu'à ce compte-là, vu qu'il a rejoint, là, et que... Ah mais non, il va reprendre la course, du coup. Non, ouais, non, j'ai dit la merde. Mais il y a Frostil qui est encore dans la session, il peut t'inviter, Hera. Ouais, possible, ça. Mais bon, normalement ça devrait. Ça va, t'inquiète, hein, ça. Normalement, ouais, ils vont t'inviter. Bon, dans le pire des cas, si Souni t'invite quand il arrive, t'auras largement le temps de. Le temps que même les autres finissent la course, t'auras ton rejoint. Tom, ce qui est toujours un bloc derrière Running Life, il y a le qui continue à se battre. Et donc, du coup, DK qui entame le dernier tour et. Ah non! Non, pardon, excusez-moi, je dis de la merde. T'avais un peu vite en besogne là. Hein. Oui, j'étais sur top, c'est vrai, je suis un peu con. Mais en tout cas, DK qui se dirige vers la victoire. Tom's qui. Là, il sait qu'il a encore du coup deux tours pour tenter quelque chose. En plus, ça doit être frustrant. Ça doit être frustrant quand t'es en rouge, devant toi, il est en jaune. Peut-être qu'il attend le dernier tour, là il est en train d'évaluer où sont les points faibles de Arknight. Où est-ce qu'il peut tenter quelque chose. Par exemple ici il est un peu lent Arknight, peut-être que là, il va se dire je peux peut-être tenter l'intérieur. Peut-être à... Non il sera trop loin à la sortie du tunnel. Benoît qui arrive à se maintenir quand même à au moins une seconde de Sweeney, mais du coup ça suffira pas. Attends mais quoique, ah, eh, il est temps d'aller regarder, il y a pénalité. Sweeney, pénalité, une... Ah merde, et Benoît. Il y a une pena aussi. C'est bon. Enfin, pour l'instant, c'est sûr si ça change. Ouh, Tom's qui tente là de prendre plus large. Non, ça ne passera pas. Il rebelote la ligne droite. Et il ne sera pas au niveau. Est-ce que Arknight a un peu moins d'appui? Je sais pas. Ou alors, il y avait pas Bah, je crois qu'il avait cassé un bout d'aileron, Arknight, il me semble. Ah ouais, donc du coup, en une droite, ça va plus vite, c'est ça? Ouais. Oh, attends. Ah, dommage. Il a cassé à l'avant-droite. Ah, tu sens que Tom, s'il prend vraiment... Il essaie vraiment de prendre toute la largeur pour essayer de gagner plus de vitesse. Oh, si... Ah, je pense qu'il va tenter un truc, là. Ah, non, il tente pas. C'est compliqué, hein, de tenter à, ouais, c'est à Monaco. Sûr. Faut vraiment le faut sentir, ses couilles, quoi. Parce que là, ouais, si tu le sens pas, vaut mieux pas y aller, parce que sinon, tu es sûr de rater, quoi. Surtout après, du coup, déjà un accident, peut-être qu'il veut pas alourdir. Ah, c'est possible, peut-être qu'il veut essayer. Puis en plus, là, d'un certain côté, s'il reste à cette place-là, il partirait quand même troisième ouais, à c'est la vrai. Prochaine course. Alors que DK vient de terminer. Oui, bravo à DK. Et pour l'instant, ce serait Fimouvi qui partirait en. En pole. Oh putain, j'ai eu un relong. Tams qui est quasiment au niveau des rois hier, mais ça suffit pas. Sweeney qui va finir avec Benol au cul. Ah, il est revenu sur la fin, Benol. Ouais. 3 secondes de pena pour Tom's, c'est Tom's. Dommage. Ah, ça se trouve, c'est ce qui lui aurait permis de repasser devant Arknight. J'espère pas. Du coup, Sweeney qui reste devant Benol avec leur pénalité. Arknight qui va du coup arriver à conserver sa 5ème place. Ah non, même pas. Et non, Arknight avait plus de pénalité que Tom's. Ah, c'est peut-être pour ça que Tom ça pas tant attaqué que ça. Aizer 7ème, franchement, moi je dis chapeau quand même. Enfin, chapeau. C'est vrai que les autres ont eu beaucoup de soucis et tout, mais. Après. Il a quand même fait une bonne course et derrière, il y a beaucoup pas de chance. Après, derrière, à part Infinity, tout le reste c'est des bots. Hein. Ouais. Mais après, tu vois, il est devant quand même Fimouvi, on a vu qu'il était rapide. Après, Fimouvi, il a eu pas mal de soucis aussi. Hein. Ouais, c'est sûr.
Bon, écoute, je trouve qu'Aizen s'y a fait une bonne course. Les... Ah oui, non, mais je veux dire, les Hearts qui ont pas eu beaucoup de chance. Alors, du coup, faut que Sweeney invite Hera, hein, Ouais, s'il veut pouvoir je faire la pense que prochaine c'est bien course. de le faire. Ouais, Sweeney il est en mode IA donc il est en train de faire ça, je pense. Enfin, il y en a plus sur start quoi. Ah, Benol, donc, ah oui, alors, on a DK. DK WoW, d'ailleurs, on va peut-être dire son pseudo maintenant qu'on est temps. Bah, DK, je trouve ça va plus cool, tu vois. Ça fait un peu Donkey Ouais, c'est vrai Kong. que moi je trouve ça fait plus cool aussi, je t'avoue. C'est pour ça que j'ai commencé. Et ouais, bah bravo à DK. Est-ce que c'est sa première victoire ou pas? Ouais. Bah bravo pour la première parce victoire. qu'il avait fait c'était une pole je crois qu'il avait fait en Allemagne si je ne me trompe pas J'ai pas suivi du tout l'année, perso. ouais, J'étais je crois pas. que c'était à l'Open d'Allemagne en F1 qu'il avait fait la pole mais parce que les autres derrière étaient partis en gomme plus dur. Ah mais il est rapide et il le prouve, hein. Il est peut-être un chouïa moins rapide que Hera et peut-être Toms, je sais pas. Mais et encore, il avait réussi à dépasser Toms quand même. Après, En manière régulière. il faut Oh, dire il est peinard. qu'il était rapide, mais il a eu aussi comment dire, il a eu une bonne réussite, on va dire, parce que dans Oui. tout le gros chamboule que ça a fait, l'accrochage entre Toms et Hera, il s'en est quand même bien sorti entre, Ouais, il a c'est sûr. évité les dégâts, et tous les autres qui ont ralenti derrière, bah, ça lui a permis de prendre un bon, on va dire, coussin d'avance. TM7 aussi qui a quand même fait bah, c'est un podium, c'est bien pour lui, franchement c'est bien. Il s'y met bien. Oui, c'est honorable. Il doit être même très content, je pense. Et Sweeney, quand même, qui, bah, du coup, on a vu avec un stand un peu catastrophique, qui a réussi à remonter 3ème. C'est quand même pas mal du tout ça. Après le podium de TM7, je pense que dans un an, on entendra encore parler. Car dès qu'il fait un podium, il faut qu'il en parle pendant un an, tellement que c'est rare. Ah bah je pense que bah en Je même regarde. temps Ah, hey, ce soir Non j'ai mais t'as une raison envie de mais trash talk, c'est ouf. Non mais en vrai t'as raison c'était M7 c'est un personnage à lui tout seul. Ouais. Mais il doit être fier de lui donc forcément il va en parler hein. Alors, Mais du je coup, comprends j'ai l'impression que bah, finalement Sweeney n'a pas invité Hera. Ah il a pas réussi à rejoindre Hera. Bah, je le vois pas là dans les trucs de chargement donc. Exact. Ah merde. On a perdu une bonne partie de la grille sur cette deuxième course. Ouais. Ben, je pense que ça va être un peu l'eau de la F2. Hein. Bah, Ah ouais. j'espère pas quand même. Ah si, Hera, il est là. Ah quoi que. Ah Ouais, oui, c'est il est là, sûr. il est là. Ah non, il est au stand. Non, ouais, je le vois pas. Hein. Ouais, il est dans les stands. Et non, enfin, je veux dire, c'est pas l'eau de la F2, mais il y aura forcément des gens qui vont abandonner et peut-être partir. Mais je suis d'accord avec toi, j'espère pas. Ouais, mais après, ça, si les gens font ça, ça leur ferme des portes pour la F1. Hein, parce que la C'est sûr, F1, si t'as envie d'y aller, c'est faut sûr. montrer que t'as envie. Hein. C'est sûr. Là-dessus, c'est Car sûr. il n'y a qu'une poule de F1, et forcément, pour y accéder, bah, c'est ceux qui en ont vraiment envie, hein, qui peuvent y accéder. Ouais. Donc, Free Movie ici qui va partir premier. Franchement, il y a une carte à jouer, je pense. Parce que Bah Free Movie les est deux rapide, il est Hearts qui premier. partent sur la première ligne, hein, donc Ouais. on va dire que ça peut leur donner un bon départ pour Ouais. compenser de la course qu'ils ont passée avant. C'est ça. Mais je pense que Aesas, il va pouvoir retenir pas mal de temps là, ce derrière lui et ça pourrait permettre à Fiddle de s'en aller. C'est possible parce que je pense pas que Ragnite va attaquer tant que ça. Toms, on a vu, il est pas non plus à vouloir attaquer à tout prix pour arriver à dépasser. Donc il y a Après, c'est la moyen deuxième course. que. Hein. Ouais. C'est pas la deuxième course, c'est là où tu donnes tout, quoi. Après, par contre, les deux Hearts qui ont décidé de partir en super. Et Ragnite aussi, donc ça veut dire qu'ils vont devoir faire un arrêt. Toms, lui, qui par contre a mis ses softs et va pouvoir, du coup, parce que ses softs il les a pas réutilisés, tu vois, donc c'est ceux qu'il a utilisés juste en qualif. Du coup, il va pouvoir aller jusqu'au bout normalement avec. Ah, Donc bien là, vu. il joue une bonne carte. C'est possible qu'il remporte cette course. Hein. Benol aussi qui part en soft. Là, je Sweeney pense que, aussi. en vrai, je pense qu'il fallait partir en softer. Enfin, je sais pas, on verra, Ah, mais bon, ouais, super. ben là, oui, parce que t'es normalement sur la deuxième course, t'es censé pouvoir faire la course entière avec les softs. Donc, deuxième départ qui va se lancer. TM7 qui est parti aussi avec les super. Parti.
c'est l'accident là. Parce que qui décolle bien. Ouais, qui a même très très bien décollé. Hein. Et Elsace qui a un peu moins bien décollé, mais peut-être qu'aussi ils n'avaient pas forcément envie de se batailler au départ. Ça va, c'est resté tranquille. Oula, ah, un peu jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'arrive pas à voir, c'est pas un truc trop grave, je crois. Au style qui est derrière, mais il était déjà derrière, je crois. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors que attention, parce que TM7 a bien envie de s'attaquer à Bénol, j'ai l'impression. Bénol, va falloir qu'il résiste un maximum là. Ouf, ça touche un peu derrière et ils ont un peu du mal au freinage. Hein. Ah, c'est relou qu'on ait pas les intervalles dans le premier tour, par contre. Je pense qu'il a perdu l'arrière collision, je ne sais pas. Ah, ça, je sais pas. J'ai pas vu. Ouais, les intervalles, ils s'affichent tout le temps après le premier tour. Ouais. Oh, alors que. Que Ragnight est très proche de Elsace. Hein. Par contre, Ragnight il a un peu coupé. Je crois qu'il a dû prendre un avertissement là, la chicane. J'ai vérifié ça. Exact, un avertissement. Ah, dans le premier tour, ça fait mal. Ouais, ça fait plutôt mal. Oh, il a touché un peu. Ouais. Ragnight qui est agressif hein, sur ce début de course. Toms qui, lui, est un peu plus en retenue, mais a l'air quand même de pas vouloir trop se faire distancer parce qu'il glisse à certains moments dans l'accélération. Et Ragnight qui va tenter. Elsace qui a fait le meilleur tour. Ouh, attention. Ouh, attention parce que Tom c'est juste derrière. Du coup ça profite à Tom. Tom qui va peut-être aller chercher Elsace aussi. Ouais. Non, non il veut pas y arriver. Par contre Ragnight qui lui bah perd sa place malheureusement dans cette histoire. Ouais, Elsace qui est un peu à l'intérieur puis à l'extérieur. Ouais. Elsace là ça fait un peu bouchon hein, pour le moment. Ah il joue son rôle aussi, c'est bien, il joue bien. Pour l'instant là, Fibouvi, il s'envole. Mais Nom qui a un peu plus de mal pour l'instant à faire fonctionner ses softs, contrairement à Tom. Ouais. Mais on peut espérer que... Sweeney qui vient de s'arrêter. Ah ouais. Peut-être que Sweeney a... C'est peut-être Sweeney le drapeau jaune qui a eu. Hein. Ah, possible. Là, ça va se compliquer pour Sweeney, parce que dès qu'on fait des arrêts en course 2, c'est... C'est un peu embêtant parce qu'avec en ce moment on a les gommes qui sont usées. Si on tombe sur les 30 gommes qui sont usées parce qu'on les a utilisées. Alors que drapeau jaune. Oh, c'est Infinity. Frosty. Ah, il y a Frosty aussi qui s'est tapé. Ah, oui, effectivement. Oula, attention. Ah, non, parce qu'ils étaient assez loin. Ils ont tapé indépendamment, mais. Ouais, mais dans la même zone. Ouais. Et par contre, Sparko qui a pris 10 secondes de pénalité pour un virage coupé. Ah oui, ah il a dû passer à fond. Je pense qu'il a cuté la chicane. DK qui a tout un truc sur TM7 là. Oh oui, je le sens. Ah, même il a pas encore DRS. Oh, finalement, il repasse à l'intérieur, mais il peut pas tenter. Toms qui est toujours à 3 dixièmes de Elsace. Elsace qui vraiment fait bouchon. Il fait le taf. Elsace qui, au final, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, je ne pense pas que ça soit voulu, mais fait les affaires de son coéquipier pour l'instant. Ouais. Ah. Moi je pense que ça peut... Bah déjà, je pense qu'il veut garder sa place. Oui, c'est pour ça, je pense pas que ça soit voulu. C'est vrai, c'est vrai. Drapeau jaune encore, bah c'est Sparko qui vient d'abandonner. Ah, là, là. Est-ce qu'on va pouvoir avoir sa voiture sur la vue de Sumi? Ah oui, ah, il est allé taper à cet endroit là. Tom, ce qui va peut-être mieux ressortir qu'Elsace là. Qui va aller à l'intérieur. Ah, ça va peut-être pouvoir là. Non, il relâche quand même. Oh Elsace qui s'est raté. Elsace qui a tapé. Qui a tapé il a voulu laisser de la place, je pense, et du coup, il a été trop derrière. Il a voulu laisser de la place, mais en gardant beaucoup de vitesse, et ça n'a pas fonctionné. Attention. Oh là là, attention, parce que là, il a tassé. Elsace, en fait, là, il a refermé un peu trop. Parce que Ragnight avait plus du tout de place à cet endroit-là. D'ailleurs, Ragnight a perdu un morceau et Infinity qui abandonne aussi. Oh là là, mais c'est une hécatombe! J'ai l'impression que les circuits urbains, c'est compliqué des fois pour certaines personnes. Ah bah, on est en F2 aussi. Pasqueta qui voulait de l'accident, bah voilà. Et là, Fimouvi, bah, d'un coup, il. Il est un peu dans la merde, hein, parce que est-ce qu'il va pouvoir faire les 15 tours en super Ça, je pense. Franchement, j'ai un gros doute que 15 tours ils tiennent. Aussi, hein. Les super tiennent les 15 tours. Les super. Si, les super tiennent. Et je suis fatigué, hein. Oh, attention, DK qui tente un truc sur TM. Oula, ça tapait contre le mur et tout.
Ah, ils y sont pas une main morte. Hein. Bon, il est passé. Hein. Ah, des fois, c'est aussi comme ça que tu peux passer à Monaco, j'ai envie de dire. Ouais, mais après, il faut quand même faire attention. Oui, il oui. y a un dépassement, on n'est pas censé entraîner un peu... l'accrochage de l'autre. J'ai pas tout vu, donc je sais pas trop à qui. Alors que du coup, Benoît est en train de revenir un peu sur Black Knight. Hein. Ouais. Black Knight qui, je pense, avec son ballon cassé, perd du rythme. Il commence à perdre en rythme avec les jeunes. On voit aussi Toms qui rattrape bien Phil. Ouais, du coup, Black Knight Phil qui s'est arrêté. Phil aussi. S'arrête. Au bout du troisième tour, ils se sont arrêtés. Bah, ils se sont sûrement rendu compte que c'était une erreur de partir en jaune. Possible. Mais là, ça va et être du coup, Toms, oh, alors que Benol est rentré dans le mur. Ah. Il a pris l'extérieur, sauf qu'il est allé un peu trop loin sur l'extérieur. Et mais il a rien cassé pourtant, alors qu'il allait taper dans le mur. Ah si, l'avant gauche, je crois. Ouais, il a perdu l'avant gauche. Ah ouais, il est loin. Ah bah là je crois que toutes les écuries ils ont dû ramener 10 euros en plus que ce qu'il faut pour Monaco parce que c'est un peu cassé là. Ezas qui ressort devant Ezas sur le coup. Ouais, il est sorti devant Ezas. Donc TM7 qui est le dernier entre guillemets en haut du classement avec des rouges. Donc Benoît il s'est fait surprendre mais... Si TM7 doit s'arrêter, il va peut-être passer 3ème et derrière lui c'est Slurp, ensuite c'est Frostil, ensuite c'est Phil, qui a 10 secondes de Frostil. TM7 qui a perdu un morceau d'aileron aussi. Mais là il va peut-être aller chercher finalement son podium aujourd'hui. Mais encore une fois, il va pas faire d'erreur et malheureusement il y a un errant en moins. Donc pas facile ce qui lui attend. Et là à mon avis il va se mettre un peu au ralenti quoi. Il va se mettre un peu en mode safe. Il n'y a plus que 9 tours. 10 tours, pardon. Ouais. Après, connaissant TM7, il va sûrement tenter d'aller à fond. Et possiblement qu'il va faire éclater ses pneus. Hein. Oh bah dans les deux cas, Benoît passe devant. Et je crois que j'ai vu des pénables pour DK. DK qui tout à l'heure, il était genre 5-6ème. Et entre les arrêts et le dépassement qu'il a fait, il se retrouve 2ème. Hein. Si il nous fait un premier et 2ème, c'est quand même... très belle performance. Ouais, bah c'est plutôt pas mal. Hein. TM7 d'un mur obligé, d'après Pasqueta. Est-ce que ce sera d'abord les pneus ou les murs? Ça respecte pas TM7 par ici. J'avoue que ça respecte pas, alors qu'il fait une bonne perf et tout. Quoi. Non, TM7, franchement, on aime bien troller parce que lui-même est beaucoup dans l'autodérision, mais... En vrai... Il peut faire des trucs. Alors que Frostil, il a déjà gagné, dis donc. Ouais, il a déjà gagné. Hein. Frostil qui revient dans les échappements de Slurp. Oh, Slurp qui s'est un peu raté là sur la chicane, ouais. Il a coupé. Là, c'est comme Benoît. Comme Benoît. Parce que il est en mode trash talk aussi ce soir. Hein. Ouais, il a besoin de libérer la arme. Beta qui fait le meilleur temps. Pour l'instant le plus rapide, mais est-ce qu'il serait pas un peu en train de trop prendre dans ses gommes là? Ah bah de toute façon je pense qu'il a pas le choix, hein. S'il veut tenter de rattraper le table ça... C'est clair. Ah. Attention Frostil, faut qu'il arrive à trouver l'opportunité mais sans trop se presser. Oh, voilà. Blocage de... Ça c'est blocage classique du premier virage. Le pire mec, c'est que je crois que je lui ai porté l'œil parce qu'en vrai... Juste avant que ça arrive, j'allais dire que le plus gros problème de Frostil, c'est qu'il a tendance à faire beaucoup trop d'erreurs en fait. C'est parce qu'il peut être rapide, mais il a fait trop d'erreurs en fait. Ça lui arrive trop souvent de se déconcentrer, du coup, bah comme là, un petit raté comme ça et qui lui coûte énormément de temps en fait. Ouais, mais après, c'est pas la bonne volonté qui manque en vrai. Ah oui, non, j'ai tout. Mais c'est vrai qu'il fait encore pas mal d'erreurs, mais c'est comme ça. On apprend avec les erreurs, j'ai envie de dire. Deka qui a encore perdu un morceau d'avant. Deka, pardon, Elsas. Ah. Elsas qui malheureusement passe de deuxième à 10. Knight et Slurp qui ont 3 secondes de pénalité chacun. Ouais, les deux Hearts là qui ont pas fait forcément les meilleures opérations.
Et Deka qui est déjà qui a déjà repris presque 2 secondes sur Tom. Bon, par contre, si Tom 7 y arrive à finir et qu'il nous fait 2 podiums, on va en entendre parler longtemps. ouais, mais ça m'étonnerait fort quand même. Et c'est que là, il le rattrape pas. Alors, je sais qu'il y a un aéro en moins, mais enfin, ouais, il y a mais un peu Tom 7 aussi, un morceau de l'aéro. Ah, bah ouais. Pour l'instant, le rythme, ça a l'air d'aller. Hein. Mais là, il va falloir qu'il se réveille là. C'est pas normal qu'il le rattrape pas. J'espère qu'à 10 secondes, là, c'est mort. Hein. Normalement, là, les SS, ils vont pas tarder à être un peu sur leur fin de vie. Hein. Ouais, peut-être. Tant qu'ils gardent l'écart, on était à 10.2, maintenant on est à 10.6. Ouais, mais il est dans la ligne droite aussi, Tom 7. Ah oui. Hein, déjà, ouais, c'est aussi ça, Monaco. Ça, oh, Tom 7 qui allait un peu taper le rail, mais sans incident. Prochain accident, Frosty Film Movie, si tout va bien. Non, Film Movie, ça va. Film Movie, qui est très proche. Film Movie, malheureusement, qui paye la stratégie. Là. Ouais. Il y avait tout pour réussir, mais. À mon avis, beaucoup de pilotes se sont dit que les rouges ça allait passer, que tout le monde allait partir en rouge du coup, et finalement. Ah, il y a un souci. Ah oui, c'est Slurp qui est à l'envers. Ah, oula, Slurp qui est à l'envers, attention, c'est dangereux ça, parce qu'il y a Sweeney qui est arrivé à ce moment-là. Ouais, je crois qu'il a réussi à bien bouger dans les montagnes. Attention à Ragnite aussi. Ah, qui va passer. Je pense pas qu'il. Ouais, non, il va pas tenter. Alors que Film Movie est toujours à l'attaque sur Frosty. Ça donne un petit bump derrière là. Ouais. Et des gars quand même qui rattrapent Tom 7. Il a déjà pris 3 secondes je crois. Mais il faut voir parce que si ça se trouve Tom c'est en train un peu d'économiser ses bombes. Ouais. Il dit qu'il est devant, il a du temps. Peut-être qu'il va pouvoir réaccélérer un peu sur la fin. Ouais. Frosty qui a du mal à tomber dans l'épingle. Et Film Movie qui se retrouve quand même malheureusement. En train d'être bouchonné par Frosty. Ça va mettre un swing vraiment. Là on est en train d'arriver un peu au moment où. Ouh attention Film Movie qui tente à l'intérieur ici. C'était un peu osé. Attention Frosty. C'est un peu osé. Ouais, je vais repasser ce coup. Aïe aïe aïe. Ouais bah forcément Frosty veut pas se laisser faire. Ah terrible. Ah, il s'est arrêté pour celui-là. C'est Frosty qui s'est arrêté pour celui-là. Eh, Frosty, ouais, pardon. Il n'y a plus d'aéron là, il faut qu'il rentre. Ouais, après, j'avoue que là, le combat était pas très très propre, mais au bout d'un moment, on dit quoi sur l'accident pas possible. Ouais, j'avoue, il y a eu l'accident. Après, c'est toujours le souci qu'il y a sur Monaco ou sur ces circuits urbains, mais surtout Monaco parce qu'il est très très peu large. C'est qu'il y a des pilotes des fois qui aiment pas forcément cette composition des circuits urbains et qui ont tendance du coup à comment dire quand ils sont en combat à stresser un peu parce que ils ont pas vraiment d'échappatoire du coup ça fait que ils se retrouvent à faire ce qu'on peut appeler du ping-pong ou du flipper entre la voiture à côté d'eux et le rail de l'autre côté quoi. Et parce que en fait ils stressent, du coup ils font des gauche-droite et ils se tamponnent, ils rebondissent sur les deux. Et malheureusement. Il y a une petite bataille. Où ça ? Ça, c'est là. Effectivement. C'est une little bataille. Le même qui a pris 3 secondes. Oh non. Et TM7 qui s'arrête au stand. Oh attention, Elzas qui a tenté un. Intérieur, frein d'étard, pneu qui bloque. Alors que Benol va passer devant TM7, tu vois, je t'avais dit que ça tiendrait pas jusqu'au bout pour TM7. Ah ouais, mais c'est arrêté. Ah ouais. Ah terrible. C'était sûr que les super TM7 allaient qui a cru jusqu'au 11ème tour. Mais pourtant, il perdait pas de rythme, hein. Il était toujours à la même distance. Ah, peut-être parce que Benol n'avait lui-même pas de rythme, mais c'est possible. Alors que Frosty vient d'abandonner. Sweeney qui abandonne aussi. Oh, mais c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu pour Sweeney, j'ai pas pu voir. Il a quitté la session. Je pense qu'il est énervé. Il a dû avoir quelque chose.
Et Deka qui est à 8 dixièmes de Toms. Et TMZ qui est sorti derrière Film Movie aussi. Ouais, franchement, c'est cette course qui reprend. Ouais, ça reprend un peu du goût de la saveur. Qui reprend là, du goût là. Là, je sens bien le goût là. Ah, Deka, il remonte. Il a moins envie de sur Toms, il a vraiment un meilleur rythme. Ah, ouais, Toms qui va être sous pression. Et maintenant, pression il y a DRS. Les... Ouais, il va être sous pression pour les derniers tours là. L'équipe sûrement devait penser que la victoire était quasiment acquise, s'il faisait pas d'erreur en gros, mais non. Deka il est revenu. Hein. Il est revenu vite, hein, franchement. Ouais. Et c'est ce qu'il y a 2 dixièmes de slurp, mais bon, je pense qu'on va rester sur la tête. Hein. Ouais, je pense bien. Et ça. Ouais, peut-être que Deka s'est plus entraîné que la plupart des jeux. Oh bah, tu sais. C'est toujours un mélange entre niveau de base puis entraînement de chacun pour l'événement qui arrive. Après, Deka, si je dis pas connerie, il est en F2. Bah, il vient d'arriver, donc en vrai, on connaît pas trop encore son niveau, enfin, à part avec les Open du coup. Et... Oui, mais je veux dire, il est en F2 pour la. Ouais, je crois qu'il est en championnat. Il y a vous en F2. Ouais, il s'est inscrit pour la F2. Et sachant que Monaco est au calendrier, c'est pas plus mal qu'il se soit entraîné. Si c'est vrai qu'il est un bon client. Bah ouais, comme Bénol. Oui, Westin, heureusement qu'il a abandonné TF7. Mais je pense que ils vont en F2, Deka va être un sacré poisson. Ah, clairement, je pense que ça va jouer les victoires hein, chez Deka. Un peu tout le temps d'ailleurs. C'est possible. En tout cas, il va se battre avec, je sais pas... Ah, il sera vraiment un bon rythme. Peut-être si Ragnite et TM7 trainent suffisamment, peut-être qu'ils pourront jouer les premières places avec lui. Benoît aussi, je crois qu'ils sont pas beaucoup entraînés. On verra bien. Ouais. Ah, des cas qui tentent de gauche-droite. Ouais, il essaie de trouver la solution, ouais, souris, mais il n'arrive pas à trouver. Je pense que s'il y a une opportunité, il va pas hésiter, il va y aller. Après, il faut être patient, quoi. Faut pas tenter n'importe quoi. Parce que sinon, ça peut ruiner la course des deux qui ont fait plutôt une course, une bonne course. Quoi. Après, tu vois, Deka, il doit voir que Benoît, il est à 28 secondes de lui. Très moi, j'y vais, hein. Franchement, je vais pas te mentir. Oui, c'est sûr, mais si tu casses les voitures. Ouais, faut pas être. Il a une bonne vitesse là. Ah non, il relâche, il préfère pas. Mais il a raison. J'ai vérifié les pénins. Ouais, vas-y. Je crois que Deka il en a 2. Ah, bah attends, s'il y en a 0. Et Deka en a effectivement 2. Aïe aïe aïe. Du coup, ça veut dire que même si Deka passe sur Toms, s'il arrive à rester devant, il embarque avec lui dans la descente. Bon, on va dire qu'il y a les résultats hors pénin et avec le pénin. Enfin, je veux dire, toi, les spectacles. Ouais. Je pense que même si Deka c'est qu'il n'arrivera pas à être dépassé au final, il y a pas de ça passe, mais là il va falloir mettre 6 secondes en 2 tours, ça va être compliqué quand même. Alors que TM7 lui est à l'attaque sur Film Movie. TM7 qui a pu s'échapper son 2e podium malheureusement. Oui, qui va avoir un peu les coups. En même temps, c'est un peu lui qui l'a fait s'échapper son podium, hein, parce que il est super. Il a un peu touché Film Movie à lui sans pas avoir regardé pas tout. J'ai l'impression qu'il. Je sais pas si c'est un bug, mais j'ai l'impression qu'il a freiné. Franchement. Je sais pas, parce que je crois que j'ai toujours pas la télémétrie. Ouais, non, il fonctionne toujours pas. Bah non, ça c'est bugué, je crois. Ah, c'est bon, ouais. Tu feras gaffe, mais on voit tes potes. Ouais, je sais, c'est relou. D'habitude, on les voit pas, mais je sais pas pourquoi maintenant on les voit. C'est trop chiant. En plus, ouais, c'est vrai que d'habitude ça se voit pas parce que ça clignote. Franchement, ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Alors, pourtant, c'est juste la capture du jeu. Donc, normalement, ça devrait pas mettre les trucs de Steam. Je crois que t'as enlevé les écarts. Je sais pas si c'est voulu. Ah, je dis. Parce qu'en somme, j'ai pas touché aux écarts. Mais ce jeu, il est pété. Ouais, il faudrait que je me mette en pas dérangé, ouais, c'est vrai. Et oui, en même temps, dans les tours, Deka il aura pas l'occasion de mettre suffisamment d'espace entre lui et Toms.
Là, ça reste quand même une P1, une P2, c'est honorable. Et Toms qui, du coup, il était combien la première course? Il était deuxième? Ah non, non. Non, il était 5ème. 6ème, je crois, 5ème ou 6ème. C'était assez Toms. Bien l'intérieur, mais qui se défend bien là. Mais ça va être compliqué, il y a encore un tour à tenir avec la pression de TM7. Bonne aspiration, mais ça passe pas. Je pense que là ça doit suer hein, dans chez Finmovie, dans son baquet, là ça doit bien transpirer. Finmovie qui finalement va finir avec SRM, c'est quand même pas mal après ce problème de. Ouais, ouais, il s'est plutôt rattrapé. Bon, il était devant, malheureusement, et là il se retrouve quatrième, mais c'est déjà bien quatrième. Ouais, c'est bon. Puis il y a quand même et Deka qui vient de terminer, et Toms juste derrière lui, du coup, qui prend la première place à cause des pénalités. Bravo à Toms. Ouais, bravo à lui, il a fait une course propre, et du coup, ça lui permet de garder la première place. Le mec qui ne va pas tarder à terminer aussi. Oh mais attends, ils sont revenus sur Bénol. Bénol s'est raté. Ah je sais pas. Bénol qui est à l'arrêt. Il a plus d'aileron. Enfin il a plus. Oh non, TM7 qui va passer, c'est pas possible. Oh là 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 là, et TM7 qui a fait le coq. Pas ça. Oh et Bénol qui glisse de. Oh Bénol, qu'est-ce qui. Oh non, Bénol, je crois qu'il commence à. Mentalement, ça ne va plus. Hein. Je crois que mentalement, il craque. Il a vraiment perdu son podium dans le dernier virage, c'est pas possible. Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé parce qu'il était vraiment en ralenti sur la fin. Alors, je crois que. Ouais, ouh là. Il s'est fait défoncer par une voiture quand même. Ah, Bénol qui m'envoie des MP déjà. Ah, je ne peux pas expliquer. Alors, c'est, moi, de ce que j'ai vu de la situation, c'était Bénol à l'arrêt, Filmovie qui se fait du coup bloquer parce qu'il est derrière, TM7 qui en profite en essayant de passer à l'intérieur, sauf qu'il n'y a pas assez de place, il fout Bénol dans le mur, et du coup, il y a Filmovie qui, forcément, vu qu'il était derrière, bloqué derrière Bénol, bah, il se bloque aussi. Ouais, c'est ça, voilà. En fait. Bénol à break check. Ça, j'ai pas vu. Breakcheck, je sais pas, je sais juste qu'il avait l'air au ralenti, je sais pas pourquoi il était au ralenti, mais du coup c'était assez bizarre. A priori sur le strip de film, bon, on verra ça plus tard. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est quand même triste pour Bénol. Et du coup ça fait que bah, Deka forcément qui remporte au résultat final, hein, le week-end si on peut dire. Et TM7 qui se retrouve deuxième et Toms qui finit quand même troisième malgré tout. Bénol bah quatrième. Ouais TM7 oui bah. Ah du coup ouais mais attends. Après TM7 il a chargé à la fin. Voilà quoi. Sweeney qui fait cinquième malgré qu'il ait pas pu terminer la deuxième course. Ragnite sixième et puis derrière après on a Filmovie et Elsass qui sont à la 7ème et la 8ème hein, qui ont pas été très très chanceux. Slurp qui marque un petit point, oui Elsass aussi c'est vrai, et après bah, la fin du classement qui ont abandonné sur les deux courses. Voilà, ça c'est bon, je vais repasser sur une autre scène, la scène de fin, voilà. Ok, je regardais ça. Donc, bah, ce petit Open 2 F2 à Monaco est fini. C'était mitigé, on va dire. Par contre, c'était très sympa à suivre, je trouve. Oui, quand il y avait de la. Comment dire, de la casse, ouais. Bah, du combat, ouais. C'est vrai qu'il y a eu surtout de la casse, mais. Voilà. Mais après, voilà, c'est dommage parce qu'il y a eu quelques abandons, rage kit, je pense aussi. Ouais. Et bah, des soucis aussi de crash de certaines personnes, crash ouais. Connexion, et je veux dire, ou crash de jeu. Aussi. Donc, c'est un peu dommage. À savoir que. Normalement, mercredi prochain, c'est pas sûr à 100% qu'il y a un open dû au fait qu'il y ait une partie des membres et surtout une partie du staff qui sera en Belgique pour le Grand Prix de Spa. Du coup, ouais, c'est pas. Dites-nous. Ah bah tiens,
Je viens de quitter le jeu et il crash. Super. Ah. Et voilà. Du coup, bah, il y aura sûrement pas d'open. S'il y en a un, bah, ce sera annoncé sur Twitter. Et puis voilà, je crois avoir tout dit. Du coup, bah. Bah ouais. On peut se donner rendez-vous. Sinon, enfin, juste comme ça, là on est du coup le 21 août. La saison 10 va pas tarder à pointer le bout de son nez, donc restez. Ouais, c'est dans quoi 3... Restez connectés, comme on dit. Ça fait 3 semaines, je crois. Dans 1, 2, 3. Non, 4 semaines. Ah ouais, tant que ça. Bah. C'est 23, le 10, ça commence le ouais, non, 10 bah, septembre. 3 semaines, ok. Ouais, du coup, dans 3 semaines. Mais voilà. Donc, ouais, d'ici donc encore là, le temps, il ouais, y aura peut-être un dernier open d'ici là. Ouais, peut-être un, voire deux, on verra. Ouais, enfin, peut-être un open quoi, dans non, deux semaines. Un. Peut-être dans deux semaines. Mais voilà, du coup, on vous tiendra au courant de tout ça. Et on c'est vous ça. Souhaite une bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Bonne soirée.